Le jouet joue. Déclaration d'amour. Déclaration d'amour. Alors vas-y, ok, on attend ton retour. Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu penses de cette déclaration, ok, dis-moi. Non, mais je crois que Oki est un peu comme tout le monde. Pardon, Life, tu es comme tout le monde, tu aimes Oki, voilà. Il a fui. Je peux pas fuir la partie comme ça, c'est pas possible, il faut que tu répondes. Mais arrête toi aussi. Non, mais c'est bon, mais tout le monde t'aime, qu'est-ce que je te dise. Moi, je suis habituée à insulter les gens, je sais pas, mais. Lui, il faut lui dire qu'on l'aime pour qu'il soit mal à l'aise. Bah, t'as demandé, mais ok, on t'aime vraiment bien. Mais vraiment, on t'aime bien. Correspond pas à l'interface, mais l'interface, est-ce qu'on en a vraiment besoin? C'est quoi que la chaise? J'ai pas tout écouté. Basiquement, ils ont fait une typo quand ils ont récupéré l'adresse du site marchand. Voilà ce que je vais devoir faire. Je vais devoir prendre ma bicyclette. Et faire tout le chemin à bicyclette. À bicyclette. Tu me récupères tout les nouvelles et tu me les envoies à ma vue. Mon twig, il est où là? Donc là j'aurai une, en gros je vais faire un petit sous-titre pour ça, on va pouvoir segmenter un petit peu tout ça, puis je vais mettre des HR. Thank you.
augmente ce qui augmente les dégâts. Le bien de mon OnlyFans. Non. Non mais tu sais l'autre jour j'ai envoyé une musique sur son stream et il y avait une autre chanteuse que je voulais lui faire découvrir et j'ai oublié. Je jure c'est la nif de squall aujourd'hui. Mec t'as dit ça, ça a cassé mon PC. What the fuck. En full freeze ou... Non, vous me voyez ou pas? Nous sommes le mercredi 9 juillet 2024. Il est 11h15. Une perturbation de dédicace et de passage. Vous êtes bien chez Soulivaneux. Ah que bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Bluebill, bonjour Admai, bonjour The Ruel, c'est G. Merci beaucoup pour ton abonnement. Bonjour DVSK. Merci beaucoup pour ton set chez moi. D'abonnement, comment ça va, coping? Bonjour, bonjour, qui est-ce que j'ai raté? Il y a du monde qui débarque aujourd'hui. Bonjour AdMike, je l'ai déjà dit, bonjour Steve Dev. Bonjour, bonjour, bonjour Wizbot. Wizbot aussi, parle du coup. Bonsoir, Septenia. Comment vas-tu? Et bonjour Brixo. Brixo qui dit bonjour avec des aboires et des étirements. Santé Brixo. Comment va tout ce beau petit monde? Allez hop, petite séance d'étirement, c'est parti, n'hésitez pas à faire de même, ça fait toujours du bien. Et bonjour Noway. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment y vont-je? Moi ça va tête dans les fesses, hein, comme hier matin. Pas ouf, pas ouf. J'espère que ça ira mieux. J'ai pas entendu l'MP3 que j'étais proposé. Je dors. On va parler moins fort alors. Faites pas trop de bruit dans le chat, s'il vous plaît. No way, dors encore. Il faut pas le perturber. Du coup, je pense qu'il est somnambule. Il nous répond dans le chat. Sans en avoir conscience. Est-il du coup manipulable? Peut-être. Devons-nous en abuser? C'est peut-être pas vraiment éthique. On va le laisser se reposer tranquillement. Et non, Bluebill, j'ai pas encore mis le MP3. Après, je sais pas si je vais le mettre, parce que j'ai pas envie de mettre exactement chaque fois les mêmes sons que ta chaîne. Mais peut-être trouver des équivalents, on verra bien. On verra bien. Bam, bam. Mais l'idée est bonne. L'idée est bonne, c'est ce genre de son que j'aimerais mettre, ouais. Étirement pareil, un truc plus discret, quoi. Qui anime quand même un peu la chose, qu'on prend la récompense, mais sans non plus... défoncer le stream et réveiller No Way. Tu vois, ce genre de choses. Alors, changement de programme. Hier, on a fait du Discord Roddy. On a traité qu'un sujet qu'on va encore traiter un petit peu, celui de Septenia. Et on n'a pas beaucoup avancé. Aussi, il y a pas mal de sujets qui commencent à s'accumuler sur le Discord. Le Devhelp un petit peu, mais pas que. Il y a aussi toujours la section vos projets. Où il y a quelques petites publications qui sont là depuis quelques temps maintenant et j'aimerais bien qu'on s'y attaque. Ainsi qu'un petit sujet dans le Condrodi. Alors Condrodi, on verra bien parce que le sujet concerne SolidJS hein, proposé par Pinagemen. Je ne sais pas encore si on le fait en mode React conférence, sachant qu'il y a juste une vidéo de présentation de quelques minutes et de la doc. Ou si on le fait simplement en découverte avec un petit projet POC. Sachant que ce framework m'intéresse hein, pour le coup, vu qu'il ressemble vraiment à React et qu'il se veut plus performant. Donc pourquoi pas, on verra bien. Toujours est-il que là, bon, on va faire un court stream, donc on continue sur le Discord Roddy aujourd'hui. On continuera peut-être les jours suivants, histoire de vraiment bien faire le ménage sur le Discord. Et on verra ce qu'on fait par la suite.
Et salut Samaken, comment tu vas? Comment ça avoir les mêmes arrêts que ma chaîne? C'est pas ma chaîne ici. C'est Gloobil qu'il y a des gens, ils vont finir par vraiment croire qu'on est sur une chaîne commune. Déjà Gloobil. Je te raconte un truc parce que t'étais pas là à ce moment-là. Tu vois Aménésis, tu vois qui c'est Aménésis, Bluebill. Et non, bien vu dans le bordel. Dis-moi tout, est-ce que tu vois qui est Aménésis? Il passe aussi sur ta chaîne. Tu le connais bien. Et je vois très bien, il stream aussi, c'est vrai. Aménésis s'est rendu compte hier qu'il discutait sur un Discord qui s'appelle... Comment il s'appelle déjà? Ah mais c'est vrai, les devs en live. Il doit te parler ce Discord, ok? En pensant qu'il était sur mon Discord. Eh oui, t'as bien entendu le Discord de Sullivaneux. Voilà. Du coup, il dit bonjour, il discute tout ça, il dit « Ouais, c'est cool, je suis sur le Discord de Sullivaneux. » Pas du tout. Voilà. Du coup, je lui fais un petit rappel, tu vois, je fais les devs en live, Bluebill. Et Sullivaneux, pour le coup, là, c'est assez clair, hein, le nom du Discord est le même nom que la chaîne. Il y a même la même icône, tout ça, c'est dinguerie. Du coup, il est venu, hein, sur mon Discord. Il m'a fumé hier. Il m'a fumé. Et en effet aussi, il y avait ici stream aussi. Est-ce que j'orthographie bien son pseudo? Pas sûr. Pas du tout. Et quoi, il y a deux M sur Aménésis? Ah non, je l'ai. Double double S. Quel enfer. Allez, Lego. Ah bah écoute, no way. Regarde mes emotes. C'est ma tête. Allez voir Aménésis. Aménésis qui se trompe de Discord, mais qui t'a très bon streamer. Ok, ça marche. Bon jeu, du coup, Elchan. Bonne fin d'après-midi à toi aussi. Ah putain, il m'a vu du coup. Mais vas-y, qu'il a tiré partout, fais chier. Bon, je te brise le fou. Ça continue de clipper, voilà. Mais ça va. Je me casse. Comment ça continue de clipper, Samaken? Ça faisait quoi, ça? Carte d'accès nécessaire, ok. Et c'est sous lit, non? Vas-y, le détective. Tu veux dire qu'il est venu discuter chez moi en pensant que c'était chez moi? T'as inversé à des moments dans ton explication, toi aussi. Non. Il est venu chez toi, dans ton Discord, en pensant être chez moi. Ce qui, du coup, est chez toi, vu que tu squattes tout le temps mon stream. Ce qui est faux. On peut tromper quelqu'un mille fois. Non. On peut tromper. Ah, je sais plus. Bon allez, Discord Roddy du coup. Reprends-tu les questions, Septenia, est-ce que tu es dans la salle? Je t'ai vu sortir un timide bonsoir tout à l'heure. Vu que tu es ici, est-ce qu'on profiterait pas pour reprendre un peu ce que t'as pas compris suite à nos derniers retours? Et je retourne son main alors que la branche main n'est pas la branche main, mais la branche fil rouge, je vais jamais m'y faire. Oui, cette année est là. Ok. Là, je trouve pas la con sur mon Discord, bah faudra lui demander. Normal, tu l'as déjà supprimé, t'inquiète. Bluebill, le dictateur. Quel enfer. Quel enfer. Bon, Didi. Ah, tiens, tant qu'on est sur l'annonce, petit changement de programme. Le Chain Together de cette semaine ne se fera visiblement pas cette semaine. Car nous n'avons pas réussi tous les quatre à se trouver un jour où tout le monde est dispo. Voilà. Donc fuck. Et on fera ça la semaine prochaine. Tout simplement.
Est-ce qu'il y aura des extras d'Alien Light? Je ne sais pas, parce que l'Ouest Ham, lui, ne sera pas disponible. Enfin, il est disponible que le mercredi, quel jour auquel je ne suis pas disponible. Donc, il ne resterait plus que Oursin à voir avec lui si on se fait une petite partie à deux. On verra bien. Non, si je l'avais d'elle, je saurais qu'elle a existé, mais là, il n'y a rien nulle part. Moi, je pense que celui se fourvoie. Et tu demanderas ça à Ménicis, hein. D'ailleurs, j'ai un élément de preuve, très cher Bluebill. Voilà. Good to see you, Ménicis. Hier à 11h. J'ai mis dispo ces gars, mettez des oursins dans vos clips. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors Septenia. Septenia, tu m'as donné des réponses qui m'ont, ma foi, perturbé. Et je me sens vraiment en grand stress devant ce projet. Pourquoi tu dois être en stress, Septenia? C'est un projet d'apprentissage, non? Ce clip, parce que j'essaie de m'améliorer sur Flutter, je me retrouve à essayer de comprendre comment créer des formes personnalisées avec le clipping. Ok. Ça m'inquiète, il faut que je t'avoue quelque chose. Quand tu m'as parlé de clips, je suis en train de me dire, il fait des clips sur Twitch. Du coup, pourquoi il fait des clips de Twitch? Mais ça va. Attends, je comprends mieux. Il n'y a aucun message, on me dit. Après, c'est peut-être pas les messages d'hier, Bluebill. Hein. C'est juste qu'il s'est rendu compte que, en fait, depuis X temps, il pensait être sur le Discord qui n'était pas le Discord qu'il pensait, tu vois. Et... voilà, c'est tout. On lui demandera si jamais il débarque. Je lui fais un SO, si ça se trouve, il va débarquer. Donc du coup, Septenia, dans le prod list. C'était pas une conversation de Discord? Alors lui, il m'avait dit que c'était... il s'était trompé de Discord. Pour lui, il était sur les devs en live. En pensant être sur le Discord de Sullivan 2, donc moi-même. Sauf que non. Et je sais pas, pendant qu'on discutait, je crois que je discutais du Discord, j'étais en train d'épiler ce sujet Discord, et je pense que c'est en voyant mon Discord sur mon stream, il s'est dit, mais en fait, je suis pas au bon endroit depuis le début. Ah, tout ce que je sais, tu lui demanderas les détails. Hein. Alors, du coup, Septenia. Pour revenir, alors on était sur Prodlist, c'était Shopping Filter, si je dis pas de bêtises, Shopping List et Shopping Filter. Tac. Alors. C'est confus tout ça. Ça mène ici en même temps. Donc Septenia, moi j'avais rajouté la property catégorie ici. Pourquoi j'ai juste cette property catégorie? Tout simplement parce que dans ton shopping list, tu filtres tes produits ici, et ta comparaison de filtre, c'est de vérifier que le tableau des Selected Categories comporte la catégorie du produit. Et tu avais littéralement mis product.catégorie. Et c'est là que je t'avais fortement conseillé, Septenia, de faire très attention à ce que tu dis ta script. Dès que ta script commence à gueuler, c'est qu'il y a une raison. Et là, en l'occurrence, l'erreur a été plutôt claire. Il te dit très clairement que la property catégorie n'existe pas sur le type product. Alors en l'occurrence, avant c'était pas sur le type product, hein, parce qu'il n'était pas typé, hein, c'était juste un prod list comme ça. Hein. Voilà, sans array, ok. Mais ça doit pas être la puce à l'oreille ce truc là. Donc tu vas chercher une property catégorie qui n'existe pas. Oui mais c'est faux car je voudrais comparer la liste des catégories avec les catégories de liste qui sont écrites en dur. Alors, première réponse, non ce n'est pas faux, TypeScript a raison. Tu cherches à récupérer point catégorie. Donc ça va chercher la property catégorie sur l'objet product. Donc TypeScript a raison, parce que l'erreur est vraie. C'est, si tu voulais récupérer les fameux mots-clés ici et pouvoir faire une comparaison, ce n'est pas la méthode à faire. Parce que là du coup tu as plusieurs properties. Tu as une property .milk, tu as une property .white, .black, .caramel,
etc., etc., etc. Mais tu n'as pas de property catégorie. Donc, c'est soit tu ajoutes la catégorie dans la liste des produits, soit tu fais ta mécanique autrement. Maintenant, sur la base de données en elle-même. Donc, j'ai fait déjà un retour là-dessus. Est-ce que tu as compris pourquoi il ne faut pas le faire de cette manière-là? Je vais ouvrir le category list. On va mettre là. Non, mais c'est pas TS14, c'est ma fonction qui n'est pas écrite comme il faut. De quelle manière il ne faut pas le faire comme ça? Alors, pour moi, ta mécanique de comparaison, elle est OK. C'est une comparaison standard. Tu vérifies que la catégorie du produit fait bien partie du tableau des catégories sélectionnées pour pouvoir filtrer les produits à la fin. Ça, c'est très bien. Pour moi, ça, tu n'y touches pas. Ce qui me pose problème, c'est plutôt justement ta définition de ta donnée. C'est-à-dire que tu as ici défini une liste de catégories. On retrouve milk, white, black, caramel, etc., qui sont des ID catégories. Alors, en base donnée, en général, hein, tu vas plutôt avoir un ID. Mais bon, ça revient en même, hein, l'un ou l'autre. Restons simples, ok? Donc, tu as ta liste de catégories ici. Très bien. Et dans tes produits, pour chacun des produits, tu reprends en mots-clés, donc en nom de property, chacune des catégories de ta liste de catégories. Et tu lui dis juste si c'est true ou si c'est false. Du coup, si un jour on fait ça, j'ajoute une catégorie Toto. Tu nous fais quoi, c'est-à-dire? Tu vas rajouter une property Toto sur chacun des produits de la base de données? Est-ce que tu vois pas quelque chose d'un petit peu dérangeant dedans? Mais on peut lister les catégories dans la liste de produits. Je comprends pas ta question, Septenia. Ça serait too much. Exactement, Coincoin. Et bonjour, Coincoin, comment vas-tu? Est-ce que tu peux préciser ta question, Septenia, sur on peut lister les catégories dans la liste de produits? Coucou. Alors, je pense avoir compris, il y a que coucou, Coincoin. Est-ce que ta question, c'est plutôt, est-ce qu'on peut faire en sorte qu'un produit puisse être rattaché à non pas une catégorie, mais plusieurs catégories? Je ne sais pas comment faire pour que cela ajoute la catégorie que le bon boolean. Enlève de ta tête les booleans, les numbers, le code, la logique, la mécanique. Qu'est-ce que tu veux concrètement faire? Tu es sur le site, comment tu veux que le site se comporte? Parce que là, en effet, quand je regarde ton produit 1, je vois que tu as la catégorie milk qui est à trous, caramel qui est aussi à trous, fruits et crunchy aussi à trous, et nuts et field aussi à trous. D'ailleurs, field, c'est une catégorie? Oui. Que mon produit corresponde à plusieurs filtres. D'accord. Alors, du coup, plutôt plus précisément, que ton produit possède plusieurs catégories. Donc du coup, tu peux très bien aussi le faire avec une seule property. C'est juste que ta property ne s'appelle pas catégorie au singulier, mais catégorise au pluriel, tout simplement. Alors si tu es dans une base de données SQL, hein, c'est ce que j'ai dit dans le Discord. D'ailleurs, juste avant que je continue, petit point VOD, comme ça tu pourras la retrouver derrière. On va mettre 25 minutes. Voilà, ça c'est pour moi après, pour le marqueur. Donc, oui, dans une base de données, tu auras du coup une table de relations. C'est-à-dire que tu auras ta table des produits, tu auras ta table des catégories, et au milieu, tu auras une table de relations produits-catégories, ce qui te permet de faire une relation multiple. OK? One-to-N ou N-to-N. Quand tu es dans une base de données plus JSON, style MongoDB, par exemple, tu peux avoir une property qui soit un tableau. Et là, vu qu'en l'occurrence, nous sommes sur des tableaux d'objets, on va le faire comme ça. Mais ça, en l'occurrence, tu ne peux pas, parce que ça, ce sont des properties d'un objet, au même titre que la description article. La description n'est pas infaisable. Pardon, j'ai oublié la phrase que je viens de dire, elle n'a aucun sens. La comparaison avec ce genre de base de données n'est pas infaisable, mais elle n'est pas fiable et ultra complexe, parce que là, ça voudrait dire qu'il faudrait que tu décomposes ton objet pour retrouver tous les mots-clés des projets qui, du coup, seront considérés comme un potentiel ID de ta catégorie,
et comparer chacun d'eux. C'est-à-dire que du coup, il faudra que tu récupères toutes les properties qui sont de type booléen, et ensuite que tu compares le nom avec la catégorie. Mais dans la comparaison, ça ne va pas comparer que milk, white, black, caramel, etc. Ça va aussi comparer ingredient article, text alt img, rating article, alors qu'ils sont strictement rien à voir avec les catégories. Tu comprends? PD, c'est quoi une extension de fichier, ça? C'est quoi l'extension de fichier, le .vod? Je suis fatigué, Blue Bill. J'ai pas encore bu mon café, s'il te plaît. Oui, ok. Et toi, même délire. Tu as ici, en plus, j'allais dire, on pourrait dire, ok, on prend que les booléens, mais c'est pareil, available. C'est pas une catégorie, available. C'est juste une information pour dire si elle est disponible ou non. Pourtant, ta mécanique de comparaison, bah, ça va la considérer comme une catégorie. Et d'ailleurs, si tu fais une catégorie... Ah bah, en plus, t'as une catégorie... Ah oui, d'accord, oui. Oula. D'accord, ok, bon. Soit, tu peux faire une catégorie qui s'appelle available. Ça, pareil, mais on extrapole un petit peu. En général, disponible n'est pas une catégorie. Ça va plutôt être ton produit est disponible, oui, non. Là, tu vas avoir un booléen, donc d'une property available. Et ton produit va avoir une ou plusieurs catégories. Ok. Donc, dans ce cas-là, on va revenir un peu où on en était. Alors, tu avais juste fusionné ce que je t'ai proposé. Tu as fait des modifs par derrière, Septania. Si on va lancer déjà le projet pour s'assurer que ça tourne toujours. Tu as fait des modifs et j'ai pas push. Ok. Et ça tourne, est-ce que tu veux les envoyer ou est-ce qu'on repart sur ce truc là? De toute façon, j'ai tout cassé. Ok. Alors, on va y aller petit à petit. Faudrait que je revienne en arrière. T'as déjà fait les commits, mais tu les as pas encore push, c'est ça? Non, t'as rien fait. Bah, à ce moment-là, si je te propose une modif et que tu veux refaire, git reset-hard, ça dégage toutes tes modifications que tu as fait. Juste modifier les fichiers, mais pas de git. Ouais, donc du coup, si tu fais un git status, tu auras un truc du style. Admettons, là, je modifie ça. Tu auras un truc du style ça, avec une liste de fichiers modifiés, mais pas encore commit. Dans ce cas-là, si t'as rien que tu souhaites garder, un git reset-hard. Et là, t'as plus rien. Je t'envoie la commande. Ok. Donc du coup, le projet, on le lance. Magnifique. Donc on va dans boutique. Là, techniquement, on a le même comportement. Alors, je me suis permis d'afficher la catégorie, bientôt les catégories du coup, hein, sur l'article, c'est juste pour qu'on puisse se repérer. Donc là, ça fonctionne. Pas comme tu souhaites, mais ça fonctionne. Donc, on va commencer par modifier la donnée elle-même. Donc catégorie, on va le renommer, on va l'appeler catégorise. Et ici on lui dit que c'est un tableau de string. Ok. Le available d'ailleurs, tu l'as mis comme une catégorie, donc à la limite on s'en fout. Et du coup ici, la catégorie. Alors du coup j'avais fait un random hein, ici hein, pour faire du truc random, mais admettons vu que tu l'as mis en dur, on va le faire de la même manière. Donc catégorise ici, c'est un tableau. Et là on va reprendre tout simplement tous ceux qui étaient à trous. Tac, on déplace ça là-dedans. Évidemment c'est pas suffisant parce que ça doit être un tableau de chaîne de caractères. Voilà. Je trouve pas ça déjà beaucoup plus clair de cette manière. Alors pourquoi il me gueule dessus? Il me gueule dessus parce qu'il est booléen, évidemment. Ça doit dégager. Voilà. Ton produit 1, rocher chocolat au cœur framboise, liste de tes catégories. Terminé.
Pourquoi arrêt de swing et bass string crochet crochet? Les deux sont exactement identiques, donc ça va vraiment une question de préférence. Moi j'ai une petite préférence pour le arrêt de string, alors je me contredis tout seul. Hein. J'ai une petite préférence pour le arrêt de string parce que c'est plus lisible, c'est plus clair. C'est un tableau de chaîne de caractères. Et ça a du coup la même syntaxe que quand on utilise les types avec les templates. Donc j'aime bien cette syntaxe-là. Maintenant j'ai les vieilles habitudes des autres langages à faire ce genre de syntaxe. Mais c'est exactement le même résultat. Je crois que c'est une affaire de goût, ça dépend de l'explicite qu'on veut. Exactement, coin, coin. Donc là, en l'autre, les deux sont parfaitement valides. À vous de faire votre choix. Même conseil, hein, soyez consistant, évidemment. Alors, j'avais cherché, mais j'ai pas trouvé sur le coup, mais il doit certainement exister des règles ESLint hein, pour harmoniser tout ça, d'ailleurs, hein, pour préférer le array quelque chose, ou justement le type avec les crochets-crochets. À voir. C'est un peu plus pratique aussi quand tu as des tableaux un petit peu plus complexes, où tu peux avoir des tableaux dans les tableaux, etc, etc. On peut le mettre à part, c'est juste que je sais pas comment le placer. Le variable, c'est ça, Septenia? On va faire une chose à la fois. Pour l'instant, ton variable, c'est une catégorie, c'est qu'un nom. Pose fchair, on s'occupe déjà de ça. Donc là, du coup, on met à jour tout ça. Donc, du coup, pas bah, même délire, hein. Tac. Ici, catégorise. Tac. Et tu vois l'intérêt aussi de typer en amont ce que je t'avais dit hier, ta base de données. Tu vois, là, j'ai défini un type produit et j'ai dit que mon prodList est un tableau de produits. Quand je modifie le type où je dis bah, maintenant catégorise, c'est un tableau de string et il n'y a plus la liste de booléens que tu as mis, immédiatement tu vois ta string qui commence à râler sur les différents objets qui sont définis. Là par exemple, il te dit que milk ça n'existe pas dans le type produit. Du coup, tu sais tout de suite où est-ce que tu dois aller. Milk n'existe pas, tu l'enlèves, hop, il va râler sur white, etc, etc. Donc pour moi, quand tu modifies ta donnée, ça te garantit que tu respectes le type que tu as défini en amont. Si tu enlèves ça, là, il ne râle plus. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de typage, il y en a un. Ta trip te fait du typage. Merde, j'ai oublié le terme. J'ai oublié le terme de ça. Mais en gros, il va construire le typage en fonction de la donnée que tu lui définis. Et là, tu vois, il te sort un typage un peu dégueulasse, hein, du coup, évidemment, parce que tu as des objets complètement différents, où tu peux avoir un objet contenant des catégories, pouvant contenir une catégorie, ou un objet contenant des booléens, etc. C'est un peu dégueu. Et ça va quand même être connu, quand on va, par exemple, dans le shopping list. Là, tu vois, il te dit, ben, le point catégorie, ça peut être une chaîne de caractères, mais ça peut aussi être non défini. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans notre liste de produits, à certains endroits, on a défini une catégorie, genre ici, mais ici, pas du tout. Voilà. Donc, c'est plus safe de définir d'abord ton prototype en premier lieu. Comme ça, moi, tu es sûr d'avoir une base de données complètement ordonnée. Mais si, je suis très net. Mais si, je suis très net. Enfin, perso, je sais pas lire, donc ça change rien. Ça, c'est en effet un autre problème, vous voyez. Merci d'avoir pris le temps de répondre. Je savais, je vois surtout pour savoir pourquoi il préfère l'un et l'autre. Moi, je préférais le array, mais à force, je passe de plus en plus au type crochet-crochet. Et pourquoi tu passes par là, finalement, Bluebill? Ça m'intéresse. Oui, je l'avais fait dans les autres listes, c'est le seul truc à ne pas effacer. Tu ne l'as pas fait dans les catégories. C'est comme le débat de type versus interface. Alors, je crois qu'il y a quand même des différences entre le type versus interface, mais je ne saurais pas te les sortir là comme ça. Interface, déjà, tu es plus limité que le type. Fais du PHP chez moi, type et interface, c'est pas la même chose du tout. Tout à fait, ouais. En TS, c'est la même, mais en fait, pas pour tout. Bah, en fait, tu peux reproduire la même chose qu'une interface qu'un type, mais pas l'inverse. Et l'interface, bah, t'as une notion d'héritage hein, que le type n'a pas pour le coup. Mais oui, tu peux arriver au même résultat en utilisant les types ou les interfaces la plupart du temps, quoi. Le type, je trouve plus flexible, personnellement. Après, je crois qu'il y a quand même des vraies différences, mais j'ai pas les articles scientifiques en tête, quoi. Oui, j'en ai pas push, j'ai effacé avec le reset, mais je viens de le refaire. Ok. Ça me permet de voir plus vite quand c'est un type ou un tableau ou pour un objet collection, par exemple. Ah ouais.
Ok. Moi j'aurais dit l'inverse, que du coup bah, tu le lis dans le sens que tu lis pas en Yoda. C'était un tableau de string. Bon. Après voilà, hein, c'est goût et couleur, hein, clairement là. Ok, là je bouge comme on dit. Oula, vous parlez quelle langue là? Le chinois, Nakim. Et bonjour. Pour une collection, t'es obligé d'utiliser les objets crochet-crochet. Ouais, voilà, parce que du coup, c'est aussi un intérêt à essayer de arrayer chevron-chevron, c'est que t'as une consistance dans la syntaxe aussi. Voilà. Pour le coup, sa distinction est dommage, car c'est une des premières choses qu'on voit en TS, et tu arrives vite sur des débats, tu ne sais pas ce qu'il vaut mieux utiliser, comme tu dis, à force, on est plus sûr des différences. Oui, tout à fait, coin-coin. À mes débuts sur TypeScript, bah, je me suis posé la même question, je fais, bah, du coup, type, interface, c'est la même chose, quelle est la différence? Et après, on peut, dans ce genre de langage, surtout les langages assez anciens, on peut se poser la même question. Hein. PHP, pendant un moment, c'était array comme ça, hein, versus ça, pour définir le contenu. Bon, voilà. Hein. En JavaScript, Septenia est tombé dans le piège. Hein. T'as le function test function. Tac. Et t'as const test function en arrow function comme ça. Et en fait, bah, c'est une point function, c'est une variable. The même fucking chose. Ça a bien changé le chinois, surtout que c'était ma deuxième langue. Putain, la coïncidence. Comment elle va, Nakim? Je posais la même question avec exactement la même intonation de... On se comprend du coup, concoin. Capable de dire dans votre conversation. Allez, on se ressorte. Donc du coup, le type en premier, donc catégorise, on vire les booléens et on modifie tout ça. Donc là, pareil, on vire tout ce qui est false. Ça, putain, ça se déplace là. Tac, tac, tac. On enchaîne. Avec les dispos cette année, n'hésite pas à m'interrompre. Hein. Si tu me vois faire des choses que je ne comprends pas, c'est le moment. En catégorie de mon premier, ouais, on a déjà discuté, Mike. En effet, c'est ce que je lui ai dit à Septenia. En général, available n'est pas une catégorie. T'es censé avoir une propriété available true false. Mais on y va une chose à la fois. Pour l'instant, voilà, c'est qu'un nom. Hein. Je peux l'appeler Toto ici, ça revient en même. Donc pour l'instant, on laisse comme ça. On règle déjà la problématique de la structure de données sur le fait de ne pas mettre une liste de booléens comme ça et plutôt de faire une property catégorise avec toutes les catégories. Et après, pourquoi pas, on pourra traiter le cas du available. Éventuellement. Faudra aussi, Septenia, si j'oublie, rappelle-moi que je te montre par rapport au use memo, parce que j'ai l'impression que t'as pas forcément compris l'avantage du use memo. Et pour être très honnête, au départ, moi non plus, je pensais qu'il fallait mettre un use effect. C'est la partie justement que j'ai appris ou réappris. Je vais te faire une démo très concrète, tu verras ce que ça donne. Un peu fatigué, surtout je me suis réveillé pour quelque chose que j'ai oublié pour aller me rendormir sur mon canapé. Ah, mais ça c'est un peu frustrant, je comprends. Repose-toi bien, Dakim. Rien de prévu aujourd'hui, tu peux faire une journée pantoufle.
Je pensais avoir compris ça, mais c'est possible. Quand j'ai lu ton message sur je vais pouvoir utiliser le use memo pour pouvoir faire tel et tel truc, je me suis dit je suis pas sûr. Mais peut-être que je me trompe. Hein. On va refaire le tour dessus. La démo est assez simple à faire. Et pour résumer très rapidement, le use memo a un avantage de performance, rien d'autre. Ce que j'ai fait avec le use memo, tu peux virer le use memo, tu auras le même résultat. Mais ça se comportera pas tout à fait de la même manière. Non, je peux pas faire de journée pantoufle, j'ai toujours un mois de travail à refaire en moins d'un mois. Aïe aïe aïe. Et c'est le temps un mois de travail, c'est par rapport à tes dessins ou c'est par rapport à ta config OBS là, enfin OBS, tu studio que t'as complètement défoncé. Chercher un café, une plaquette de chocolat pour me monter le moral, ça marche, c'est peut-être bien. Tout. Aïe aïe aïe, courage. Ok, donc ça, ça dégage. Ça, ça aussi. Ah, je voulais tuer le tri, c'est pas grave. Pas pareil pour le typage de base, ce qui est intéressant, c'est que du coup, t'as l'autocomplétion, tu vois. Là, je reprends pour le dernier. Là, je suis juste un contrôle espace. Il me propose catégorie, c'est la dernière property à devoir fournir. Je fais entrer, j'en fais mon tableau. Là, je fais mon ménage et property. Je vire toutes les false. On voit bien d'ailleurs, hein, donc du coup, hein, que milk, ben, c'est pas considéré comme une property correcte. Donc ça, pareil. Autre indicateur grâce à TypeScript. Je transforme ça en liste de chaîne de caractères. Hop, maintenant que j'ai terminé de régler ce problème-là, TypeScript me reporte un autre problème, la property catégorie au singulier, qui n'existe plus, paf. Je suis sûr de rien oublier. Tu mets pas un typage fort dès le début, ça tu l'auras pas cette aide. On peut pas dire, mais sur par dessiner à ta place, ça va être compliqué, Dakim. Courage à toi, en tout cas, force. Faites des câlins, Dakim. Envoyez-lui de la force. La force, putain. Envoyez-moi aussi une nouvelle élocution, s'il vous plaît. Ok. Bon, du coup, l'import ne me sert plus à rien. Tac. Voilà. Donc là, notre liste de produits. Elle est nickel chrome. Alors du coup, je vais te faire la liste des catégories aussi. Hein. Enfin, je vais te mettre le typage. Comme ça, tu l'auras. Catégorie, plutôt. Alors après, pareil, hein, pour le product. Bon. Là, tu vois, j'ai fait un type product. Et là, je dis que ma product list, c'est un tableau de product. J'aurais pu aussi faire un type products. Et lui dire que ça, c'est un tableau de tout ça. D'ailleurs, Bluebeat, je reviens là-dessus. Pour le coup, tu vois, pour ce genre de choses, je préfère cette syntaxe-là. Parce que c'est un tableau et je définis mes objets. Dans l'autre sens, on va lire toute la définition de l'objet et seulement la fin. Ah oui, en fait, c'est un tableau. Donc, tu peux faire aussi ça comme ça et dire simplement, mon prod_list, c'est un type product. Tu peux aussi manipuler les types avec les types que tu as définis précédemment. Par exemple, on revient sur product. Là, tu dis mon type product. C'est un tableau de product. Et derrière, dans product list, product. Alors, à quel moment tu dois le faire ou pas le faire, ça dépend de ton projet. Ça dépend de comment tu vas manipuler les types, par qui ça va être utilisé, à quel moment. Mets-toi juste en objectif de faire quelque chose le plus clair possible.
Là, en l'occurrence, ouais, j'ai fait un product, un rail de product, parce que ben, je trouve ça assez simple, hein, pour le coup. On est sur un tableau d'entité, entre guillemets. Donc, définition d'entité. Disons ici que c'est un tableau d'entité. Ça fait le taf. Pas besoin d'aller plus loin. Je l'ai fait, ça va chevaucher, non? Tu l'as déjà commit, ça? Et push? T'es mieux d'écrire array, je croyais que je le faisais par défaut. Pareil, c'est une question de... C'est une question de goût, de lisibilité, Septenir. Les deux sont valables. Tu peux très bien faire ton type, crochet-crochet à la fin. Ça fonctionne. Tout comme tu peux faire... Array. Ouvrez le chevron, ta définition, fermez le chevron. Là, pour le coup, voilà. Ça dépend. En effet, quand tu fais un array de un type simple, array de string ou array d'un type que tu as référencé, bon, bah c'est du one line, hein, donc ça ou un product crochet-crochet, pas trop de différence. En l'occurrence, quand tu fais un tableau d'un typage complexe de base, comme ici, là, bon, peut-être qu'utiliser le array serait un peu plus pertinent parce qu'un petit peu plus lisible. Bien que je te recommande pas forcément ce genre de syntaxe. Hein. Quand tu définis un tableau d'un type complexe, définis d'abord le type complexe, puis redéfinis un type pour le tableau de type complexe. Pourquoi ? Pour la réutilisation. Parce que parfois, tu auras besoin dans ta mécanique d'avoir le type d'un élément du tableau. Alors tu peux hein, faire un truc comme ça. Tu peux par exemple, ici, là, à partir du type product, tu peux extraire un type product. La petite astuce, c'est ça. Tu fais product... je crois que c'est N ou étoile, je sais plus. Non, 0. Ouais, voilà. Et du coup, tu te retrouves avec l'objet direct. Mais c'est moins clair. Hein. Là, c'est de la manipulation de type. Ça, c'est ce que je fais en général quand j'ai besoin d'extraire un morceau de typage venant d'un vendeur. C'est plus pratique que tu définisses le type product et ensuite le type products au pluriel et que tu exportes les deux pour que ça puisse être réutilisé. Et tout ce que je viens de te montrer, c'est techniquement valable. Hein. C'est pas un problème là-dessus. On vient en arrière, voilà. Je peux être garçon natif, je dis pas le array va être mieux, mais il n'y a pas ce genre de cas en PHP. Oui, voilà, après ça dépend de langage. Là, évidemment, on parle en TypeScript, on est d'accord. Je n'ai que la création de liste simple, je ne savais pas qu'on pouvait faire des arrays dedans. Bah, tu veux faire des tableaux, de tableaux, de tableaux, de tableaux, de tableaux, de tableaux, hein, Septenium. Bon, c'est possible. Bon, en général, quand tu fais ça, c'est que ça devient un enfer, mais c'est possible. Merci, Lordi, à garder les dessins. Let's go. Merci pour toi, Lord Akim, bon courage. Si c'est mieux de dire que c'est un array, je ne comprends pas pourquoi tu l'enlèves du coup. Hein ? Mais non, mais c'était que pour la, c'était juste pour la démo, Septenia. Le array, il est ici. Là, toi, j'ai fini un type product. Nous sommes sur un objet product, une classe product, si tu préfères. Hein. On peut dire une interface. Hein. Même résultat. Ok. Et maintenant que j'ai défini mon type product, qui est donc un objet avec des properties, je déclare que ma liste de products, c'est donc un tableau, array, de products. Tout ce que je te dis, c'est que ça, par exemple, tu peux l'exporter dans un type à part. Tu peux dire, voilà, type products, parce que j'en ai plusieurs, ou type product list, si tu préfères. C'est un array de product, et du coup, ton prod list, bah, c'est pas un array de product, mais c'est directement un product list. Le résultat est exactement le même. Je crois que j'ai compris. Et j'aime pas quand il y a un je crois dedans. Que tu es sûr d'avoir compris. Pose tes questions, Septenia, c'est le moment. Parce que si tu galères sur ça, ça va être compliqué. Il faut vraiment que ce soit clair et net pour toi. Bon, la catégorie, j'y touche pas du coup. Je te laisse gérer la chose. Est-ce que c'est bon pour toi tout ça, Septenia? Est-ce qu'il y a un truc là dans ce que j'ai fait, dans ce que je t'ai expliqué,
qui te paraît un peu étrange. Non, j'ai pas posé de questions, j'ai le cerveau en morale en bouillie hachée. Tente. C'est pas grave. On fera le décodage après. Bon, voilà. Tu n'as pas besoin de mettre array pour le type car c'est un simple objet. Ici. C'est que pour la liste qui a un array. Oui, grosso modo, c'est ça. En fait, en gros, c'est à toi de définir ce que tu veux faire. Admettons ici product. Imaginons. Tiens, on va ouvrir un truc à part. Shopping list. Imaginons, tu veux déclarer un state qui permet de sélectionner un produit. Pour raison X ou Y, on s'en fout. Donc, tu vas faire un const product. State product. Ce sera un useState. Il ne voudra rien par défaut. Là, ton useState, il n'est pas typé, d'accord? Un useState de quoi? On n'a aucune foutre idée. Et là, ton product, il a comme valeur juste undefined, parce que ça n'a aucune définition. Donc, il faut lui donner un type. Ok? Donc là, tu as un intérêt à réutiliser le type product que tu as défini ici. Je vais me faire à manger, j'ai ça marche, Blue Bill. Bonne popote et bonne app à toutes. Donc là, tu vas avoir tendance à exporter le type product, ici. Puis tu vas réimporter, ici. Ok. Alors, peut-être pas forcément depuis ProdList, hein, mais là, c'est pour l'exemple. Et là, du coup, on a bien un type product, parce qu'on veut un seul product. Et c'est là que je te t'expliquais l'intérêt de décomposer les types. Parce que si tu as fait directement ici un type ProductList, que tu avais dit... que c'est un tableau de tout ça. Là, en effet, ça fonctionne pour ta prod list. Par contre, ton product, il n'existe plus. On est d'accord. Donc là, ça va te poser problème. Donc, tu seras obligé ici de faire un typage un petit peu plus complexe. À savoir, product list, par exemple, de 0 pour dire un élément de mon tableau product list. Et là, en effet, on se retrouve avec la même chose. Et en plus, c'est moins clair, parce que tu vois, au lieu de te dire ben, « product, c'est un product », là, TypeScript va dire ben, « product, c'est un objet comportant tout ça ». C'est beaucoup plus verbeux et moins évident, pour le coup. Pourquoi ? Parce que là, à ce stade, vu qu'on a juste dit que on a un type product list qui est un tableau d'objets avec ses properties, là, à ce stade, TypeScript n'a aucune idée du typage nommé product. Ça alourdit exactement cette manière. Exactement. Donc c'est pour ça que là, ça peut être intéressant de faire un type product ici. Et ensuite, dans ProdList, soit tu dis directement c'est un tableau de product, ou alors carrément faire un autre type. Voilà, product list égale array de product. Tac. Et ici, tu dis que c'est un product list. Dans quel cas, ça sera intéressant d'ici de définir un type à part. Parce que là, bon, pour le coup, c'est un peu l'enculage de mouche. Hein, c'est un tableau de product, on s'en fout. Même délire pour l'export. Peut-être que tu as envie de définir ton filter de product, là, par exemple. Tu peux lui dire, ben, je veux que ça soit un product list. Comme ça, tu déclares dès le début, je m'attends à ce que ça soit un product list. Product list qui sera importé. Alors oui, c'est un tableau de product, c'est tout. Mais c'est un typage beaucoup plus compréhensible. On sait de quoi on parle, là. On sait qu'on parle d'une liste de produits. Voilà. Et tu as toujours, évidemment, l'import de ton type product que tu vas utiliser directement dans le state parce que tu n'as besoin que d'un seul product. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais à quel moment tu vas combiner tes types, tu vas faire qu'un seul type ou un tableau, etc. Ça dépend. Voilà. Mais au plus tu décomposes et au plus tu exportes, mieux c'est, en général, pour la réutilisation. Est-ce que c'est plus clair comme ça, Septenia? Je pense qu'il te manquait un exemple pour que tu comprennes mieux. Oui, parfait. Ok, allez, on avance. J'enlève tout ce que j'ai fait en démo.
Oui, je crois. Et salut Ideo. Et ça rajoute une effet au type de liste 0, mais faudrait ajouter nom du label autour. Oui, en plus. Mais il n'y a pas une autre syntaxe Ideo d'ailleurs que 0 pour dire je veux l'élément d'un tableau. Il me semble que... Mais je me souviens plus de sa syntaxe. Number. Merci Harrison. Merci. Donc oui, en effet, alors je reprends ici, type product list. Array de product. Ici, je fais un type test. Product list, alors faisons test ici 0. Vérifions ce que nous dit Ideo. Et bonjour Ideo, bonjour Harrison, j'espère que vous allez bien. Alors il me le dit pas le who undefined Ideo. Il me dit juste, ce test, c'est bien un objet contenant ses properties. Mais en effet, c'est plus propre de dire number. C'est qu'il revient en même. Mais dans tous les cas, voilà, là, on est obligé de manipuler le type pour extraire le type qu'on souhaite avoir. Alors, quand c'est du type qui provient d'un vendeur et que t'as pas le choix, bon bah t'as pas le choix, évidemment. Si c'est ton propre typage, bah autant à l'inverse définir un typage clair avec l'entité en elle-même unique, ainsi que le type qui représente le tableau, tu te casses beaucoup moins le cul, évidemment. Donc, dans le useState, je dis undefined, car elle n'a pas de valeur par défaut. Ah oui, ça, bien sûr. Oui. Et ça, c'est dans la signature du useState. Là, par exemple, Selected Categories vaut un tableau de string parce qu'on lui donne une valeur par défaut. Ici, si je lui donne rien, j'ai beau lui avoir dit que c'est un useState de tableau de string, vu que je lui mets aucune valeur, en effet, par défaut, ça vaut undefined. Et ça, c'est normal, on retrouve ça dans la signature de useState. Donc voilà, donc on a ici le template S qui par défaut vaut undefined. Et ici, on est bien sur un dispatch de set state action de S ou undefined. Parce que par défaut, il considère que c'est undefined si tu lui donnes pas la valeur. Donc ça, c'est TypeScript qui le gère avec la définition faite par React. Et salut Braptor. Putain, je suis pas motivé aujourd'hui. Aïe. Mal dormi. Je me dénade. Je crois que Ideo tente de communiquer avec nous. Malheureusement, nous n'avons pas le même décodeur. Prends une grande inspiration, Ideo. Et communique. C'est pas faux. Ah, le chat a marché sur le clavier. Aïe. Ah, les chats. Bon, du coup, maintenant qu'on a notre typage qui est correct, retournons sur Shopping List. Évidemment, là, TypeScript, il est pas content. Hein. On va virer aussi nos imports de merde, là. Tac. Ici, on va remettre notre valeur par défaut. Nickel. Pourquoi ? Parce qu'il nous dit, bah, t'es mignon, mais product.catégorie, bah, il n'existe pas. En effet, maintenant, c'est product.categories. Mais là, TypeScript, il est toujours pas content. Bah oui, parce que du coup, la fonction include, elle s'attend à quoi ? Elle s'attend à une valeur scalaire. Un search element. Sauf qu'on lui donne un autre tableau. Forcément, ça va pas. Enfin, il s'attend à une valeur scalaire. Non, je suis trompé. Il parle de selected categories, qu'un tableau de string, donc le include, s'attend à un string. Est-ce que dans le tableau de string, il y a ce string ? Sauf que là, on le voit pas un string, on le voit un product categories. Donc là, il faut qu'on revoie notre filtre. J'ai pas bien compris l'écriture du useState string avec la valeur par défaut. Alors, votre pronom. Toto, set Toto. Égal useState de rien. Là, on a la déclaration d'un useState sans aucun typage. Ok,
Donc là, si on regarde le type de Toto, Catherine nous dit c'est undefined. Et c'est logique parce que c'est la seule valeur qui est connue par TaskRift actuellement, c'est-à-dire non définie, parce qu'on l'a donné aucun type et surtout on l'a donné aucune valeur. Si on lui donne une valeur par défaut, mettons 42, tout à hasard hein, ce nombre hein, évidemment. Là, lui dit Toto, c'est un number. Ok, donc là c'est ce qu'on appelle du typing implicite. C'est bon, j'ai retrouvé le mot. Ok, donc TaskRift, vu qu'on lui a donné la valeur de 42, de par la signature définie de useState par React, il considère que le state Toto, c'est un number, parce que tu lui as donné une valeur. Mais tu peux lui définir, et c'est ce qui est recommandé, le typing de ton useState lui-même. Ici, tu vas lui dire, par exemple, c'est un string, une chaîne de caractères. Là, il nous dit quoi ? Que Toto, c'est un string ou undefined. Logique, parce qu'on lui a dit, on a un useState de type string, sauf que tu lui as donné aucune valeur. Par défaut, ça veut undefined. Ici, on lui donne une valeur. Et là, il nous dit, ok, Toto, c'est une chaîne de caractères. Parce qu'on lui a dit que c'est un string, et qu'on lui a donné une valeur par défaut, Toto. Et à l'inverse, pourquoi c'est plutôt recommandé de définir d'avance le type de ton useState ? C'est parce que ça évite les erreurs. Parce que là, tu vois, je lui dis, mon state, c'est un state d'une chaîne de caractères. Si je lui donne à manger comme valeur par défaut, 42, là, ta script pas content. Ta script pampan cucu, hein ? Parce que du coup, tu lui envoies un number. Sauf que, faut que je veux un string. Et là, du coup, c'est la différence entre le typage implicite et le typage explicite, pour le coup. Est-ce que ça t'a éclairé ta lanterne, Septenia ? Donc, du coup, hein, pour le useState avec les catégories, même chose. Et si on dit que le typage en useState, c'est un tableau de chaîne de caractères, et on lui donne comme valeur par défaut un tableau vide, parce que par défaut, il n'y a pas de catégorie sélectionnée. Tu peux lui donner autre chose, hein, évidemment. Hein. Tu peux, par exemple, lui mettre une catégorie par défaut. Vive les strings, merci Anne-Mike. Et pourquoi si on lui donne un tableau par défaut, c'est du confort ? Simplement parce que du coup, si on lui donne pas de tableau, Selective Categories, c'est pas un tableau de string, c'est un tableau de string ou undefined. Et là, je te la refais, je sais pas si t'as remarqué la chose, mais là, regarde, j'enlève la valeur par défaut, paf, il râle. Il râle ici, et il râle ici. Bah oui, parce que là, on demande la longueur d'un tableau. Sauf que c'est pas nécessairement un tableau. Ça peut être aussi une valeur non définie. Donc ça peut cracher dessus, parce que tu essaies de récupérer la property left qui n'existera jamais sur undefined. Donc ça va du coup t'obliger à complexifier ta mécanique. Tu vas devoir d'abord vérifier que le type de selected categories soit bien différent de undefined, et que la longueur du tableau soit à 0. Et là ça fonctionne, pourquoi ? Parce que vu que tu as vérifié que selected categories n'est pas défini, vu que son type c'est tableau de chaîne de caractères ou non défini. Non défini a été vérifié, ce n'est pas le cas. Il reste quoi ? Un seul cas, le tableau de chaîne de caractères. Donc là, du coup, il est OK pour que tu fasses un selected categories. Parce que vu que tu as vérifié avant que la variable ne soit pas définie, là, c'est sûr et certain, à ce stade, c'est bien un tableau de chaîne de caractères. Mais comme tu peux le constater, ça complexifie la chose. Et d'ailleurs, ça n'a pas réglé ici le problème. Parce que évidemment, le selected categories, on est sûr c'est un tableau de chaîne de caractères dans cette condition, dans cette boucle de conditions. Ok, donc on pourrait faire autrement, on pourrait faire un early return. Alors tout le monde n'aime pas les early return, hein, ça fait aussi le taf. Tu peux faire un si le type of de selected categories est égal à undefined, return false par exemple. Et là il est content parce que vu que on s'arrête immédiatement dès que le setting catégorisé non défini, et ben, dans le reste du scope, c'est nécessairement un tableau de chaîne de caractères. Et comme tu peux le voir, ça complexifie beaucoup plus la logique. Donc c'est beaucoup plus rapide et simple de lui dire, ben, setting catégorisé, en fait, c'est un tableau, c'est juste qu'il est vide, et là, tu manipules nécessairement des tableaux. C'est tentant de récupérer ce pampan cucu et de le mettre dans mes rewards. Tu veux mettre dans les rewards, moi, en train de faire pampan cucu. Fais-toi plaisir. euh,
Est-ce que c'est bon pour toi, Septania, pour le U-State? Ouais. Et tu vois, la démo que j'ai fait, hein, j'ai fait un U-State avec une valeur vraiment bidon, un nombre, un signe. N'hésite pas à faire pareil. Quand tu tombes sur des syntaxes un petit peu plus complexes, avec des tableaux de machin, de trucs et compagnie, tu dis, ok, je comprends rien, décompose. Prends-toi, ouvre-toi un nouveau fichier .tapscript, fais des tests. Crée un type bidon, crée une fonction bidon, crée une variable bidon. Observe à chacune de tes modifications le résultat que ça donne, de par VS Code ou de par l'exécution du code. Et tu verras, c'est beaucoup plus pratique pour comprendre. C'est une méthode que j'applique encore actuellement. En JavaScript ou en PHP. Des fois, il y a des choses que je comprends pas, je fais bon, ok, vas-y. Test.php, test.js, là, on voit un petit peu ce que ça donne. Ça permet de mieux comprendre. On alerte ban Théo. Ah, c'est très drôle ça. Dis du Théo quelqu'un, pampan cucu. Quel enfer. Moi, ça me va, hein. Si ça permet de faire pampan cucu à Twitch le KO à chaque fois, on est très bien. Alors du coup, faut qu'on revoie notre mécanique ici. Ça serait marrant. Alors du coup, on reprend la filter produit, c'est la liste des produits. On le filtre à chaque fois, on a un produit et on veut voir si... Alors du coup, là j'ai une question, Septania. À quel moment on affiche un produit? Je pense avoir la réponse, je veux faire être sûr. Est-ce qu'on affiche un produit si ça match toutes les catégories? C'est-à-dire que là, en l'occurrence, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catégories. Il faut que les 7 catégories... soit sélectionné pour afficher le produit, ou est-ce que ça match à partir du moment où l'une des catégories présentes dans le produit est sélectionnée? Juste une, ok. Donc dans ce cas-là, ici, on prend product, categories, somme, oui, en effet. Bien vu, Anne-Mike. AdMike a invoqué le ArraySum. AdMike a bien raison. Donc, la property sum teste si au moins un élément du tableau passe le test implémenté par la fonction fourdi. Alors, on voit un booléen indiquant le résultat du test. En gros, ça va vérifier que l'un des éléments correspond à ça. Donc, c'est comme le filter. Moi, j'ai été parti à AdMike sur un filter et un point lemme derrière. Mais en effet, c'est faire un Paris-Marseille en passant par Berlin. C'est pas du tout la phrase, vous avez compris le delay. Donc là, le point somme, en gros, tu l'appelles, tu lui donnes une fonction de comparaison. Ok, donc là, la fonction de comparaison, oula, elle est assez simple. Hein. Ça fait juste un élément modulo 2 pour voir si le nombre est event, c'est un nombre pair. Et donc, du coup, le somme, lui, va appeler cette fonction. Et dès qu'il tombe sur un nombre pair, un nombre qui match avec la comparaison, en l'occurrence 2, il va s'arrêter là, va dire c'est bon, il y a bien un élément. Donc ça correspond à ce que tu veux. Les voyages forment la jeunesse. Je préfère le Paris-Brest, ah, yeah, ça y est, on les a perdus. 30 minutes d'attention l'être humain, on a 1h12 de stream, ouais bah c'est ça, bah, c'est terminé, on les a plus. Hein. Donc on va pas faire un filter, on va en effet faire un somme. Oh, chocolat. On va lui donner à manger une fonction. Donc là, un arrow function. Donc ici, on est sur la liste des catégories. Donc on a quoi ici dans le paramètre de la fonction? Septenia, j'attends une réponse. Qu'est-ce qu'on a ici? Je vais l'appeler fou pour le moment. C'est quoi ça ici? Vive TikTok, waouh. Princesse réponse. La liste des catégories checked. Perdu. La fonction somme, on la fait à partir de où, Septania? On la fait à partir de la property categories. La property categories, c'est quoi? VS Code te donne la réponse. Et tu es fou, Michel. Ah mais je verrai pas Michel. Appelle Sullivan. Un tableau, tout à fait. Un tableau de chaîne de caractères qui représente les catégories.
du produit. Donc typiquement, ça. Donc là, on appelle une fonction somme qui, en utilisant une fonction de comparaison qu'on lui donne, la fonction de comparaison, c'est celle-ci, va retourner true ou false dès lors qu'il trouve un élément dans ce tableau qui correspond, qui match avec notre fonction. Donc, que prend en paramètre cette fonction de comparaison, c'est-à-dire... J'ai perdu Septenia. Attendez, je vais l'invoquer. Ça le catégorise ? Non, pas du tout. Ok, on va le faire autrement. C'est une fonction à part. Ok ? On donne à manger à Somme. Là, on n'est pas du tout dans le scope de ton filtre produit. Hein. On a défini une fonction, qui est une fonction de comparaison, qui va être appelée par la fonction somme. Fonction somme, qui est appelée depuis le tableau de chaîne de, caractères, pardon, qui est la liste des catégories. Qui va comparer un élément à la fois. Donc cette fonction comparaison, qu'est-ce qu'elle va avoir comme paramètre? La réponse n'est pas dans le code que tu vois là. Oublie tes selected categories, tes prodlist, tes filtered product. Moi je sais, Bluebill. Bluebill, l'élève insupportable au premier rang qu'il a. C'est... Oh, oh, je sais. Monsieur, j'ai la réponse. Je vais t'appeler Hermione maintenant, Bluebill. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok. Je t'appelle Hermione Granger. Que j'aime cette trine du professeur Soli, je me crois presque en classe chaque fois, j'ai envie de lever la main pour répondre. Après, c'est peut-être si t'as pas la réponse, dis-moi, y'a pas de soucis, je vais t'expliquer. Et même ces détails-là, c'est important de les comprendre, parce que ça, c'est des couteaux suisses que tu vas utiliser très régulièrement en JavaScript. Et je dis bien en JavaScript. En React. Non, ça va prendre la catégorie, tout simplement. Vu qu'on est sur une fonction de comparaison, cette fonction va être appelée sur chacun des éléments de ton tableau. Dans chacun des éléments de ton tableau, c'est quoi? C'est une référence de catégorie. Donc ça va appeler la fonction en envoyant milk, puis ensuite caramel, puis ensuite fruit, puis crunchy, etc., etc., etc. Donc ce que tu reçois comme paramètre dans cette fonction, c'est bien une catégorie. Ok. Je te montre la démo avec TypeScript. Là, là-dessus, TypeScript aide aussi beaucoup. Donc, je remets ma fonction dans, en paramètre de la fonction somme. Catégorise tableau de string. Catégorie string. Mais c'est écrit où catégorie, elle n'est pas définie ici. Tu peux l'appeler comme tu veux. Tu peux l'appeler Toto. Ça revient en même. C'est juste que ça n'a aucun sens de l'appeler Toto. Parce que là, on parle bien d'une catégorie. Pour te montrer un truc plus explicite, on va aller dans prodList. On va définir un type. On va appeler catégorie. C'est juste pour la démo, hein. Pas forcément nécessaire de le faire. Et surtout, ne pas le faire ici. Ça a plutôt sa place dans catégorieseList, d'ailleurs. Ok. Ici, catégorise, je vais lui dire c'est un tableau de string, c'est un tableau de catégorie. Qui est, in fine, une chaîne de caractères. Ok. Pareil, hein, même chose. Normalement, ça va être dans shopping list. Ah, le bâtard. Ah, j'étais persuadé qu'il allait me mettre catégorie. Alors ça, je trouve ça moins ouf.
Ça, c'est parce qu'il a pas encore chargé. Ah ouais, il va quand même résoudre le typage et me sortir chaîne de caractère à la fin. Oh, c'est un peu dommage, ça. J'aurais préféré qu'il me dise bah, c'est une catégorie. Bon, oublie ce que j'ai dit. En tout cas, Bluebee a raison, c'est bien un paramètre de la fonction. Donc, c'est toi qui définis le nom. Et d'ailleurs, dans un langage comme JavaScript ou PHP, même si dans la définition de la fonction, dans son typage, il y a un nom de variable qui est défini, bah, tu peux lui donner un autre nom, ça fonctionne aussi. Ce qui est du coup un peu confusant parfois. Ce catégorise, je te dis quoi ? Attends, je refais mon exemple du coup. Ah, t'as mon tableau de string aussi, hein ? Ouais. Alors peut-être parce que c'est un typage simple, du coup il se dit on va pas se casser le cul, c'est une chaîne de caractères. Ouais. Voilà. Parce qu'en fait l'exemple est tellement bateau que de TypeScript il fait tu te fous de ma gueule, c'est une chaîne de caractères. Mais admettons, voilà, on peut se dire que catégorie ça peut être un string ou un number. Quand tu commences à faire du typage complexe comme ça, là c'est intéressant de leur donner des noms. Parce que du coup, ben là tu lui dis c'est un tableau de catégorie. Et là derrière, vu que nous sommes sur un tableau de catégorie, là, le paramètre, c'est bien un paramètre de type catégorie. Mais le nom, Septenia, tu peux l'appeler C, tu peux l'appeler Toto, tu peux l'appeler Septenia. Ça ne change rien du tout. Et évidemment, c'est recommandé, même fortement recommandé, de nommer tes variables de manière cohérente. Là, on est sur une tableau de catégorise. Tu vas recevoir une catégorie, appelle ça catégorie, évidemment. Mais techniquement, tu fais ce que tu veux. C'est souvent plus simple de le traduire en texte dans la liste des catégories. Je cherche une catégorie qui correspond à nom ou index en général. Ouais. Vous avez l'impression d'être en classe à vouloir lever la main. J'ai l'impression d'être l'âne de la classe. Faut pas dire ça, Septenia. Faut pas se comparer à nous. On l'a déjà eu cette classe. Toi, tu la prends encore tout à fait. Je suis totalement 2000% d'accord avec Bluebill. La situation que tu vis actuellement, Septenia, on est tous passés par là. On n'est pas né avec un clavier dans les mains. Hein. On soit bien clair. Moi, j'ai commencé Hippitech. On nous apprenait à utiliser un terminal sur Linux. Linux, pour moi, c'était un ovni. Un ovni. Je ne... Aucune foutre idée de ce que c'était que cet OS. Voilà, c'était mon niveau. Ah ouais, j'en ai chié, ouais. Mais c'est tout, à force de travailler, tu finis par y arriver. De toute façon, on a déjà discuté pour la main, Septenia. C'est que t'es pressé par le temps par rapport à ce que tu dois faire pour ton travail et compagnie. Donc c'est pas forcément évident. Et ça, on le comprend totalement. Mais t'as pas le choix en fait, t'es obligé de prendre le temps d'eux. C'est pour ça que là je prends le temps justement de t'expliquer les variables, etc. Parce que ça c'est hyper important de te répéter plusieurs fois ce genre de mécanique pour bien comprendre le fonctionnement et ensuite pouvoir être ok derrière. Avec le temps, la pratique, à la fin, tu seras comme nous, hein, c'est pas un problème. Hein. Tout ça pour venir sur PC et dev en PHP. Brave tort, t'es au bord du Théo, fais gaffe. Hein. Pas bosser là plutôt. C'est pas motivé. Fais gaffe à toi. En plus, ouais, t'as un Bluebill qui est là. Je suis à deux doigts de lui donner l'épée juste pour qu'il le fasse. Et bijour, bijour Shizen, comment tu vas ? Oui, mais j'ai pas l'impression que la formation soit suffisante. Même aucune formation sera suffisante. Aucune. Seule la pratique le sera. Que tu dois pratiquer. Voilà. La formation va te donner un certain nombre d'informations. Nous, on va te donner un certain nombre d'informations. On va te mettre un petit peu plus de pratique de cette manière-là. Pratiquer, 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 pratiquer. C'est pour ça que j'avais plutôt bien aimé le process Hippitech de 42. Encore une fois, je ne fais pas des éloges à 1000% de ces écoles. Il y a aussi des défauts. Mais sur la pratique, c'est que tu avais un petit cours vidéo de 1 heure. Tu avais quelques supports écrits. Tu avais les manuels. Et après, c'était Fly Beach. Tu rentres dans le cambouis et tu galères, tu tombes, tu te relèves, tu recommences, essaies de comprendre et ça finit par rentrer. Braptor veut 5 minutes. Un dernier mot à dire, Braptor ? C'est tous témoins, hein, il veut 5 minutes. Hein. T'as tranquille et toi, ça va. T'es encore un peu crevé, mais sinon, ça va. Rendez-vous dans une minute. Parfait. À dans une minute, Braptor. C'est incroyable.
J'aime bien dire que dans ce métier, les formations apprennent à apprendre, rien de plus, tout à fait. Le reste, c'est de l'autodidacte et tu engranges au quotidien. Tout à fait, Septenia, parce que... Shizen, pardon. Ce que Shizen dit, Septenia, c'est totalement vrai. N'apprends pas par cœur ce que tu es en train d'apprendre en JavaScript ou en React, hein. Attention. Il faut que tu sois capable justement de chercher par toi-même, de lire les docs, de les comprendre, de lire les erreurs. C'est pour ça que là, dans mon dernier retour, je t'ai dit, TypeScript te parle, lis-le. Tu dis que tu comprends pas l'erreur, fais des recherches par rapport à ça, essaie de comprendre pourquoi ça met cette erreur, dans quel cas ce genre d'erreur peut sortir, pour ensuite bien comprendre le système et pouvoir développer derrière. Parce que ça se trouve, demain, quand je dis demain, hein, c'est dans une semaine, dans un mois, dans trois mois, tu feras du Python, tu feras du Go, tu feras du PHP. T'en fais déjà, mais tu vois ce que je veux dire. Et tu dois être capable de pouvoir t'adapter. J'ai pas compris la minute de Bravetor. Il nous a provoqué sur PHP, je lui ai dit qu'il était à la minute du Théo. Et il a dit, je veux ma minute de Théo. Bah, il a eu sa minute de Théo. Une sorte de masochisme doux sur Twitch, voilà, c'est ça. N'apprends pas ce que t'es en train d'apprendre. Oui, bah, c'est vrai que... c'est vrai que la phrase dite comme ça, elle est pas ouf. Mais en soi, c'est vrai. J'ai déjà dit, hein, j'ai plus d'une dizaine d'années d'expérience en PHP, j'en ai quelques-unes en JS. Je pars encore chercher la doc d'un printf, d'un som, une chose comme ça. Parce que j'ai pas envie d'apprendre ça par cœur, ça me sert à rien. Par contre, j'ai lire des docs. Ça, c'est super important. Et salut Demotion, comment tu vas? Ça, c'est des copains. Heureux, brave Thor. Et encore, brave Thor, t'as de la chance, hein, parce que moi, je te fais une sommation, tu vois. Si Blue Bill, tu commences à troller en PHP, le Théo il part direct. Direct dans ta face. C'était comment ou quoi? Bien à toi, ça va, Demotion, je te remercie. On n'est pas en médecine, pas besoin de tout apprendre comme un bourrin, tout à fait. Et encore, on pourrait se dire qu'en médecine, la médecine évolue, tu vois. Donc là-dessus, il faut aussi s'auto-former. Enfin, s'auto-former. Non, suivre des formations, mais bon. On ne pourrait pas de toute manière trouver ça comme domaine, tout à fait. Avec un pompon cucu, ouais. J'aime quand mes copains me punissent ces jeux, brave Thor, il y a le point d'exclamation fouille aussi. On peut te faire ce plaisir. Bon, du coup, revenons sur le somme. Donc, notre fonction prend une catégorie. Ok. Et là, on va reprendre ce que tu avais mis avant. C'est-à-dire le selected categories. Est-ce que dans les selected categories, nous avons la présence de la catégorie provenant de la liste des catégories de produits, donc catégorie. Ça va renvoyer un booléen que nous retournons, parce que c'est ce que veut la fonction appelée par somme de retourner un booléen. Alors là, il nous râle dessus, pourquoi? Oui, parce qu'on a fait, des bêtises avec notre typage, évidemment, ce n'est pas un string ou un number, c'est bien juste un string. Voilà. Et là, il est d'accord. Donc du coup, qu'est-ce que ça va faire ici? La fonction somme, elle va prendre chacune des catégories du produit catégorie. Pour chacune de ces catégories, la fonction somme va appeler... pardon, la fonction de comparaison que tu as définie et va lui envoyer la catégorie. La fonction de comparaison, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre ta variable selected categories, donc les catégories qui sont sélectionnées, et va vérifier qu'elle contient la catégorie. Ça renvoie la valeur, vrai ou faux, la catégorie en fait partie, et du coup la fonction de somme, en fonction de ce qu'elle va avoir, elle va ou pas renvoyer vrai ou faux. Donc si elle tombe une première fois sur vrai, donc ça veut dire qu'il y a bien une catégorie qui inclut dedans, elle s'arrête là, elle dit c'est bon, j'en ai trouvé un, je m'arrête là, c'est ok. Sinon elle fait le tour de toutes les catégories et si elle en trouve aucune, elle renvoie false. Voilà. D'ailleurs, j'ajouterai même, je pense que cette condition... Non, j'allais dire cette condition sert à rien, mais non, parce que t'as fait une logique inverse. Si le selected categories est complètement vide, par défaut, ça retourne true parce que tu considères que tout est sélectionné. Donc, oublie ce que je viens de dire. Est-ce que c'est bon pour toi, Septenia, ça?
Après, la médecine ne peut pas se permettre de se tromper afin que la doc apprenne de ses erreurs. Ce que j'allais dire, en effet, Blueby, les espoirs du passé sont pas d'accord avec toi. Hein. La médecine s'est trompée et se trompera encore. Malheureusement, ça a un impact beaucoup plus important qu'en code. Et la médecine se trompe, hein. C'est pas une science complètement acquise. Hein. Effectivement, tu n'as pas besoin du return et des parenthèses. Il n'a pas besoin du return et des parenthèses. À quel endroit, Mike? Oui, oui, ok. Des accolades, oui, bien sûr. Alors oui, en effet, tu peux simplifier ça. Là, je l'ai décomposé pour que ce soit vraiment très clair. Mais il y a une spécificité avec le arrow function, c'est que soit tu le définis comme une fonction, on va pas, je vais te le faire à part. On va dire l'arrow function complexe. Tu mets les accolades pour définir le contenu de ta fonction, et à la fin, tu retournes une variable, ok. Tu peux aussi faire ça. D'ailleurs, il y a des linters comme ESLint qui te permettent de le faire automatiquement. Les deux là, c'est le même résultat. À partir du moment où tu définis ici une valeur sans les accolades, implicitement, tu dis à JavaScript, je retourne cette valeur. C'est ça ce que veut dire AdMike. Donc là, techniquement, pareil, vu que tu mets aucune logique mis à part retourner une valeur, donc c'est-à-dire le résultat du include, tu peux simplement faire ceci. Oups, tu vires les accolades et tu mets ça. Voilà, c'est tout en one line. Et si t'es pas habitué à ça, habitue-toi avec les returns pour le moment, c'est plus explicite pour le coup. D'ailleurs, certains n'aiment pas hein, cette syntaxe. Hein. Il y a des gens qui mettent en place des règles pour justement désactiver ça, parce que c'est moins clair. Ce que je peux admettre, pour le coup. Mais voilà. Est-ce que c'est clair pour toi, Septenia? Mais leur but, c'est pas d'apprendre à apprendre. Bah les deux, en fait, j'ai envie de dire, Shamaken. Évidemment, quand tu débarques en médecine, je pense que tu dois apprendre toute la connaissance de la médecine actuelle, notamment dans ta spécialité. Mais tu dois aussi régulièrement être au courant des évolutions qui se font autour de la médecine. Oui, attends, je note. Pas de soucis, c'est-à-dire que tu sentiras la VOD, ouais. Tu peux même faire plus court. Return produit catégorie somme. Oui. Ah oui, voilà. Oula. Septania, t'es prête à avoir mal au crâne ou pas? Et oui, Susan, tu as raison. Et salut Jimmy, ça va bien et toi? Bienvenue. Mais ça ne peut pas tout avoir non plus. Des fois, il fait des tests quand tu ne sais pas ce que tu as. Ouais. Et parfois, il envoie sa femme qui n'a aucune formation en médecine les faire à sa place parce qu'il a la flemme. Vraie histoire en Belgique. What the fuck? Hello Mathieu, comment tu vas? Je passe vite fait avant de manger, ça marche. Ça va bien, que ça fait quoi de beau? Eh ben écoute, on continue le Discord Rodi. Parce que je m'en... J'ai perdu mon stylo. Je me rends compte qu'il y a pas mal de sujets qui traînent un peu sur le Discord. Donc j'ai envie d'épiler tout ça, donc on continue. Peut-être qu'on fera une semaine entière Discord Rodi, sûr de bien faire tout le tour. Donc voilà. Là, on est sur le souci de Septenia avec sa problématique sur React. On fait cours, exactement, Septenia, on fait des cours. Cours participatifs. C'est bon pour toi? Alors, Septenia, donc première simplification, je viens de te la montrer. Deuxième simplification proposée par Shizun. Je te la montre, tu me dis si t'as compris ou pas. Et Blueby et Mike qui répondent sans lever la main, et moi qui sais pas répondre, j'avoue. Si son chant, tu le dis, Septenia. Hein. Un petit thé aux 10 minutes, ça va les calmer. Hein.
Pas plus court, tu renommes tout en p.c.somme. Ouais, et là, tu fais partie des personnes que bien détestables. Je méprise fortement, et cette fois. C'est faux, moi je frétille juste en retenant de répondre. Putain, j'imagine vos frustrations dans l'écran en mode, mais putain, j'ai la réponse là. C'est écrit comme avant ? Pas du tout. Juste avant, t'avais ça. Ok. Paramètres de la fonction, valeur du retour, selected point include, paramètres de catégorie. Et Susan nous dit, et il a raison, tu peux le simplifier de cette manière. Je mets les deux côte à côte, comme ça tu vois mieux. Enfin, c'est bien qu'on s'attarde là-dessus parce que tu tomberas sur ce genre de syntaxe. Hein. C'est un callback qui a une valeur par défaut. Tu sais, c'est valeur par défaut. Bah, tu passes juste la fonction école dans le callback. Et voilà, Matsumota, troisième élève, à répondre sans lever la main, alors qu'on attendait une réponse cette année. Bravo. Et on enlève les semi-colonnes. Non. Non, les gardes, Harrison. Je me rends compte que je viens d'écrire est totalement incompréhensible. Enfin, moi, je l'ai compris. Je pense que c'était bien, tu l'as mis en PLS, là. Pas compris passer du truc, ouais, t'inquiète là, tu... on plaisante. Alors, on montre les différentes sucres syntaxiques, hein, ce qu'on peut laisser des sucres syntaxiques, qui donnent le même résultat. D'ailleurs, c'est quoi, on va mettre les trois ensemble, hop. Alors, est-ce que la dernière ligne, cette année, tu la comprends? Ah, chiant. La touche shift qui ne veut plus. Ça commence à m'énerver. Voilà. Les trois lignes que tu vois là, cette année, font exactement la même chose. D'ailleurs, je me pose une question qui n'a rien à voir. Si quelqu'un sait me répondre sur des cartes de visite de dev freelance, le mieux, c'est de mettre en verso tes différents noms de réseau, genre portfolio, Insta, Twitter, etc. Ou alors plutôt un QR code vers un Linktree. Enfin, ça dépend de la quantité de liens que tu as, Jimmy, j'ai envie de te dire. Moi, si j'en ai pas beaucoup, je mettrai les deux. Après, est-ce qu'il y a vraiment une convention là-dessus? Je sais pas. Le principe, c'est d'aider cette année à comprendre et apprendre sans la paumer, tout à fait. Ou apprendre à ne pas apprendre pour mieux apprendre. C'est insupportable, les deux, là. Un syntaxe long crée une fonction anonyme, oui, à la volée clair. Et la transmet en argument. La cour transmet directement une fonction existante. Oui. T'as qu'à bien la touche shift et un bouton de ta souris. Oui, bien sûr. Alors, sinon, je nettoie mon clavier ou j'en rachète un s'il est mort, ouais. On va plutôt faire ça. Après, pour bien comprendre le concept des callbacks, je pense que le mieux est d'en implémenter un toi-même en exemple. Ouais. Il y a Gull qui avait fait un truc intéressant par rapport au callback, je crois. Et je pense pas que c'est sur YouTube, il avait fait ça en stream. Si je me demandais quel était le mieux. Moi, je mettrais les deux dans le sens où les gens vont pas forcément utiliser le téléphone. Donc avoir quand même une URL courte qu'on peut retaper, de c'est possible moins de 25 caractères, c'est pas plus mal. Et merci Boris LXP pour le follow, bienvenue à toi. Je présente rapidement la chaîne, ici on stream du lundi au vendredi, le matin, on fait du dev. Web, Docker, CI sont les principaux sujets. J'ai des projets en cours, mais en ce moment on fait du Discord Rudy, c'est-à-dire qu'on prend les sujets postés par notre communauté sur Discord, et on tente d'y répondre au mieux. Et l'après-midi, on fait du jeu vidéo, on fait du Rimworld, on fait du Project Zomboid, et en ce moment, un petit peu de Dead Space, de Dying Light, et bientôt du Chain Together, à partir de la semaine prochaine. Voilà, bienvenue à toi, tu peux te présenter si tu le souhaites, mais tu as aussi le droit de rester dans l'ombre. Ça me gêne qu'il n'y ait pas la catégorie, je comprends pourquoi on peut s'en passer. Parce qu'en fait, ici, comme l'a dit Shizen, tu déclares une fonction.
Les deux sont pareils d'ailleurs. Hein. Okay. Tu déclares une fonction anonyme, parce qu'elle n'a pas de nom, tout simplement, qui prend en paramètre catégorie. Okay. Paramètre qui est envoyé par la fonction somme. Et tu ne fais rien d'autre que transmettre ce même paramètre à include. Okay. Donc la fonction somme, elle s'attend à quoi comme fonction? Elle s'attend à une fonction qui prend en paramètre quelque chose. Ok, et va renvoyer boolean. Ok, elle s'attend à ça, la fonction somme. Que fait la fonction include? Eh ben la fonction include, elle reçoit quelque chose. Qu'est-ce qu'elle renvoie? Un boolean. C'est-à-dire exactement la même chose. Donc du coup, en fait, tu n'es pas obligé de déclarer une fonction à la volée qui va simplement appeler la fonction qui a la même signature, mais tu peux lui donner directement à manger la fonction includes, qui a en fait exactement le même comportement. Voilà pourquoi tu peux te passer de catégories, parce que du coup, somme, lui, au lieu de recevoir une fonction anonyme, il va recevoir la fonction include, et il va directement appeler la fonction include. Il va faire en fait ce que tu fais là-dedans. Voilà. Et c'est pour ça que tu peux te permettre de faire ce genre de syntaxe. C'est des cas très spécifiques, hein. Évidemment, parce que là, on est vraiment sur une comparaison vraiment bateau, vraiment simple. Si tu as des mécaniques avec des conditions supplémentaires et compagnie, là, tu seras obligé de faire ce genre de syntaxe. Et dans ce cas-là, en effet, tu peux simplement faire ça. Ok. Est-ce que tu veux que je te laisse en commentaire les deux autres ici, là, pour que tu puisses voir les trois syntaxes? Du coup, la troisième permet d'avoir une meilleure lisibilité, non? Ça se débat. Hein. Ça se débat. On pourrait parler de performance, par contre. Après, ça se joue à pas grand-chose, je pense. Parce que là, ici, en fait, techniquement, tu déclares une nouvelle fonction anonyme. Donc, tu prends l'espace nécessaire pour déclarer cette fonction. Là, en l'occurrence, tu fais qu'envoyer une fonction qui est déjà définie. Tu les as écrites? Ok. Après, pareil, pour ce genre de choses, il existe des règles ou des plugins de règles dans OSLint qui te permet de le faire automatiquement. C'est-à-dire que OSLint, lui, il va voir ce genre de mécanique, il va se dire, bah, en fait, c'est la même chose, et il va automatiquement te le remplacer par ça. Donc moi, en général, sur ce genre de questions, bah, je me pose pas la question, justement. J'écris au kilomètre, je fais mes retours complètement stupides, je m'en fous, parce que derrière, je fais tourner un OSLint, et il va me le simplifier pour moi. Ça, ce qu'on te montre, hein, c'est du sucre syntaxique, hein. Les perfs, c'est que je joue à 0... Oui, non, mais oui, Mathieu, tout à fait. C'est pour ça, on pourrait parler de perfs. Maintenant, quel pourcentage de personnes ont besoin de cette optimisation-là? Bon. Perso, je trouve le deuxième plus lisible. Bah, même le premier est le plus lisible, hein. Là, il n'y a pas de débat à avoir. Tu fais un sum, tu déclares une fonction. Que fait la fonction? Elle retourne l'appel de cette fonction. Simple, clair, efficace. Mais c'est plus verbeux. Donc, c'est plus de là que le débat, en fait. Sur la verbosité. Et me dites pas que ça ou ça est plus... Alors, on va pas dire lisible, on va dire explicite. Que ces deux lignes-là sont plus explicites que cette ligne-là. T'as pas plus explicite que ça. Et d'ailleurs, justement, certains n'aiment pas ça, hein, justement. Il y en a qui préfèrent avoir les retours explicites, et je peux le comprendre. Et t'as des langages comme le Go, par exemple, où c'est impossible de faire ce genre de choses. Où tu dois vraiment tout définir ligne par ligne. Les if, les returns, etc. Et ça peut se comprendre. Ce genre de reproche qu'on peut faire aussi à des langages comme Ruby, par exemple, hein. Ou si tu le souhaites, bah, tu peux limite faire un programme entier en une ligne 50 caractères. Bon, par contre, ton truc, il est illisible. Mais ça fonctionne. Le signe te dit qu'il le corrige, j'ai pas l'impression quand je le fais. Tu peux passer une option spécifique à ta commande, je pense. Alors, tu as deux choses, en effet. Tu as l'option --fixe, Septania. Si je fais que tourner le lint, lui, il va juste râler dessus. Et ça défend la configuration de ton ESLint. Il faut que la règle qui correspond à ça soit activée. Alors, je sais plus hein, comment elle s'appelle. Quand tu cherches ESLint arrow function, tu devrais avoir. Vaseline, souligne ton code, tu passes la souris dessus, tu dis hey, je peux faire plus simple, tu veux, tu dis oui et hop, terminé. Alors, Samacon, je suis prêt même de te corriger, c'est pas ESLint qui souligne ton code.
c'est VS Code ou l'IDE que tu utilises, de par l'utilisation de ESLint qui va souligner ton code. C'est important de préciser ça. ESLint, c'est un outil en ligne de commande, point. Et moi d'ailleurs, je ne me sers pas à la méthode que j'utilise à Macon. Je n'ai pas de plugin ESLint, parce que j'ai l'habitude de me baser pas sur le CI, hein, c'est le débat qu'on a eu, hein, sur le fait que le CI, pour moi, c'est le premier rempart à mettre pour s'assurer que le code est propre, surtout quand tu travailles en équipe, et j'ai l'habitude de l'utiliser en CLI. Donc en effet, par confort, tu veux mettre une extension qui va utiliser ESLint pour, et on peut dire la même chose pour TypeScript, hein. L'erreur que tu vois là, c'est une erreur de TypeScript, ce n'est pas TypeScript directement qui souligne ton erreur. C'est VS Code qui utilise le moteur de TypeScript, et en récoltant l'erreur reportée par TypeScript, va en effet te l'indiquer. Je vous laisse mon stream, je pars en lurk, ça va Mathieu, merci pour ton lurk. Bon après-midi à toi. Donc voilà, alors en soi, t'as raison, ça m'accueille, hein, ça revient au même. Mais pour Septenia, je préfère préciser les choses, comme ça au moins on est bien clair. Ok. Bah voilà. Non, c'est pas celui-là. Voilà. Donc là, par exemple, dans ESLint, tu as une règle qui s'appelle ArrowBodyStyle. Et ça montre bien comme quoi il y a des écoles là-dessus, parce que ça te permet soit d'obliger d'utiliser la syntaxe courte du arrow function, donc le fameux return implicite, ou à l'inverse, de l'interdire. Et là, si tu regardes dans la doc de cette règle, tu vois ici que tu as un petit tips qui te dit que cette règle-là peut être automatiquement corrigée à l'aide de l'option -fx. Donc si tu ajoutes la règle arrowBodyStyle dans ta config ESLint, et que tu lui dis par exemple, bah, je veux pas les returns implicites, je préfère les returns explicites, et que tu lances la commande avec le -fx, ou que tu passes par l'IDE en fonction de ce que tu utilises, là, à ce moment-là, il va te mettre le return. Et personnellement, tu peux passer par les IDE si tu ajoutes du confort, mais moi, je te recommande, pour comprendre tous les outils que tu utilises, ESLint y compris, de passer par la ligne de commande, parce que comme ça, tu comprendras comment fonctionne l'outil. L'IDE, il va t'abstraire la chose, il va t'ajouter du confort, certes, mais en même temps, si tu débutes dans la chose, il va un peu rendre tout ça un petit peu flou, un petit peu obscur. Est-ce que ton IDE, Septenia, je crois qu'elle utilise VS Code, si j'ai pas de bêtises. Donc voilà, c'est cette règle-là, Septenia. On peut le tester d'ailleurs si tu veux, hein. ArrowBodyStyle, tac. Donc dans ton fichier de ESLint config, t'as plusieurs choses. Donc déjà t'as les extend. Les extend, c'est juste pour dire avec sur quel rule set, quelle liste de règles tu veux te baser. Donc tu as celles qui sont recommandées par ESLint et tu as celles des différents plugins que tu as installés. Donc un pour TypeScript et un pour les hooks de React. Et ces règles, tu peux les modifier par la suite dans la section rules. C'est ce qu'on va faire ici. Donc là, dans la section rules, on rajoute arrowBodyStyle. Regardons un peu la doc. Tu penses, vu que ça parle d'arrow function, et tu mentionnes la différence de comportement entre une arrow function et une classique avec le this, ça peut provoquer des bugs vicieux à comprendre. Shizen, si t'as une doc qui l'explique, partage-la. Moi, je vais pas m'avancer là-dessus. Pourquoi ? Parce que j'ai quasiment jamais fait JavaScript avec des classes. Du coup, j'ai rarement eu cette problématique. Donc, je serais pas forcément bien placé pour expliquer la différence. Je sais qu'il y en a une, mais je serais pas l'expliquer de manière très claire. Donc, n'hésite pas, Shizen. Ouais, alors du coup, imaginons tu ne veux pas le sucre syntaxique, tu veux mettre des returns partout parce que tu trouves ça plus clair. Je te donne juste une démo, hein. Donc là, tu vas mettre la règle always.
Donc là, tu mets Error. Ici, tu mets Always. Normalement, c'est ça. On vérifie avec la doc. Voilà, c'est ce truc-là. Ça suffit juste de copier-coller, en fait. Hein. Ça revient au même. Tac. Ok, donc là, on va remettre la syntaxe comme on avait fait ici. Catégorie. Selecting category.includes category. On va ouvrir un petit terminal. Ok, ici tu tapes npx eslint le dossier courant et tu rajoutes l'option --fix. Tu le laisses tourner. Et là il me dit qu'il ne trouve pas fichier de config parce que je suis pas dans le bon dossier, tout simplement. Voilà, là tu vois, ESLint vient de te modifier ton code et t'as rajouté le return directement avec les accolades. Bon là, il te l'a fait de manière pas très propre, hein. Il y a d'autres règles qui permettent justement de faire le retour à la ligne et de pouvoir espacer, mais il peut te le faire. Ouais, c'est un problème de scope. Ouais, bah, je crois que les arrow functions, c'est des fonctions anonymes, du coup ils ont pas le this en, pris en compte, soit c'est un truc comme ça. Quel enfer à gérer le this. Bah bref. Ah ça c'était un gros problème avec JavaScript, hein, c'est la gestion des classes, quand c'est introduit, quand est-ce que tu t'en sers, quand est-ce que tu t'en sers pas. Pas pour rien que React, ils ont arrêté d'ailleurs d'utiliser les classes. Hein. Et moi j'ai jamais eu, très rarement eu besoin de jouer avec le this. Donc voilà. Si une arrow function a un z, c'est juste qu'il l'extrait du scope parent. Pas besoin de classe pour ça. Ok. Je crois que je suis pas fan du fixe à la ligne de commande. Pourquoi, Shamaken? Non, mais en même. Hein. Au contraire, je peux faire largement ça. Moi, ma méthode de travail en général, c'est que ben, je code, je fais mon code, je l'envoie en pull request, en merge request. Je vérifie le CI, ah, le ESLint est rouge, je retourne sur mon terminal, je fais un --fix, ça me corrige tout, je mets à jour, et puis je suis tranquille. Sauf pour les erreurs bien sûr qui sont pas corrigeables, à ce moment-là je le corrige moi-même, mais ça me fait gagner un temps de ouf. Hein. N'importe quelle fonction JS a un ZIS. Les ZIS sans classe, quel enfer. Mais tout le travail, bah je code celui du 24. Yes. Classe avec React, c'était casse-couille, c'est vrai. Bah, c'était surtout extrêmement verbeux et t'avais beaucoup de définitions que tu mettais en place qui bah, te servaient la plupart du temps à rien. Ouais, donc sur passer en function component, c'était quand même bien plus simple. Mais j'ai souvenir que React, justement, la première fois que je me suis intéressé à ce framework-là, c'était à l'époque où c'était encore sur les classes et ça m'avait refroidi à cause de ça. J'ai vu, mais c'est une usine à gaz ce truc. Tiens, on a warning ESLint pour la dépendance de useMemo dont on parlait hier. Oui, bah c'est le fameux prodlist. Qui a une dépendance pas forcément intéressante parce que c'est une variable statique qu'on importe. Ce qui en soi est vrai. Le useMemo. Septenia, partons là-dessus. Bon, je t'enlève la config ESLint, hein, je t'ai montré la démo, je te laisserai jouer avec. Ah, et du coup, il m'a modifié tous les trucs. Ouais, bon, c'est pas grave. Ça fera un petit peu de lint, c'est pas plus mal. Ok. On va check out ce qu'on a pas besoin. Le carousel, on n'en veut pas. Le header, le card pilot, j'ai jamais touché. Product, d'accord, t'as modifié quoi? Ah, rien de ouf. Catégorie list, on n'y touche pas. Writing non plus. Donc tu vois tous les fichiers qu'il a modifiés cette année, c'est pour ça que je préfère avoir un CI et que ça le tourne automatiquement. Parce que justement, toi, tu dis, ouais, mais moi j'ai ESLint installé. Oui, mais ESLint il va pas le faire pour toi en fait. Il faut que tu le fasses tourner pour qu'il puisse corriger ton code ou qu'il puisse te reporter les erreurs. Et si tu ne mets pas d'automatisme derrière, bah forcément il va arriver un moment, tu vas pas forcément y penser, tu vas pas faire tourner ton ESLint.
et tu envoies du code qui va pas respecter les standards que tu as définis. Ouais, pour le reste, on est bon. Ah tiens, Blue Bill. Il est partout le Blue Bill. Et bonjour New Web, bienvenue à toi. Comment tu vas? Ouais, moi ça confirme l'hypothèse qu'on avait mis, qui était dur à vérifier, qui était impossible à vérifier, tout à fait. Ce que je me souviens mieux de ce que j'ai écrit, si je modifie mon code quelque part, j'ai peur d'accuser quelqu'un d'autre de modifier mon code. Après, ça dépend de ta méthode de travail, Samaken. Mais en général, nous, quand on travaille sur nos projets, on fait tout par un merge request et c'est là que le CI va passer pour exécuter le lint. Donc le S-lint, PHP, SFixer, ce que tu veux. Donc du coup, sur la branche main, à partir du moment où tu le merge, le code est nécessairement respecte nécessairement les standards à ce niveau-là. Et c'est assez rare qu'on ait un merge request, on travaille à plusieurs, donc... Ok, je vois. Alors oui, du coup, forcément, il y a mis tous les returns partout. Ça, je m'en fous. Bon, du coup, use memo. T'es encore dans le coin, Septenia? On va déjà envoyer ça. On va tester, voir si ça fonctionne déjà pour les catégories. Ah, il y a un truc aussi. Ici, l'affichage des catégories, c'est plus une catégorie, mais bien des catégories. Bon, là, je le fais vite, hein, c'est juste pour m'adapter. Hop, un petit jaune avec des virgules, ça ira très bien. Et si catégorise. Ah pareil, c'est marrant parce que là ici dans ton product, je vois que tu as défini un available boolean. Propriété que tu essayes de passer en allant chercher item.available. C'est là justement que tu vois la problématique, parce qu'Available normalement n'est pas une catégorie. C'est pas une catégorie. Là, c'est censé être une propriété. Bon, là, on va tricher. On va le faire comme ça. Et ça, normalement, c'est censé être une propriété à part. Hein. C'est pas censé être une catégorie, le disponible. C'est disponible, oui, non. Là, on est bien sur un boolean. Tu sais quoi, on va te le faire tout de suite, comme ça, moi, c'est fait. Hop. Donc catégorise, là le available boolean. Et là on l'ajoute. D'ailleurs available, on peut mettre un boolean, on peut le mettre en optionnel. Comme ça on considère que c'est faux par défaut. Donc c'est plus propre de le forcer. Hop, on met un boolean partout. Donc là c'est disponible, là il n'y a pas dedans donc ça ne l'est pas. Ouais, par contre, t'as si... Ouais. T'as aussi ta liste de catégories que tu utilises ici. Chiant. Bon, alors du coup, je vais pas te le faire, mais c'est peut-être ce qu'il faudra que tu fasses. C'est que tu extrais le disponible, tu l'enlèves de tes listes de catégories, et il faut que tu fasses un autre filtre que tu appelles disponible, oui, non. Tout simplement. Mais on va rester comme c'était du coup. Une chose à la fois. Voilà. Alors, le résultat est le même. Je vais vous parler de méthodologie perso, je suis fan de la méthode Rash.
New Web petit roller, évidemment, la méthode l'arrache. Bel exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Ça va comme ça, en coup d'œil, ton code est propre. Ce n'est pas le mien, c'est celui de Septenia, pour le coup. Du coup, bah merci pour elle. En plus, la ligne de commande a un défaut, il faut connaître l'existence de la simplification. Si on n'a pas idée qu'elle existe, on n'en met pas. Blacking Monium m'a appris qu'elle existait et j'ai pu me renseigner dessus. Bah ça, je te réponds, ça m'accueille ESLint sans tiré fixe. Ça te rapporte le code, la rules qui est pas respectée. Tu vas sur la docs de la rules, t'as l'explication. Tu veux aussi observer le résultat rapidement du fixe, git diff. Je comprends la problématique, mais je vois pas en quoi la ligne de commande t'empêche de résoudre cette problématique, pour le coup. Pour moi, c'est juste une manière de... Bon, je suis pas fan des ondes plus coins arrondis, c'est pas un peu années 90. Ouais, après c'est un projet d'entraînement New Web, faut que tu comprennes un peu le contexte. Elle s'entraîne à React avec ça et c'est un projet de formation. Et je crois d'ailleurs, si j'ai pas de bêtises, c'est pas toi qui a porté les styles, hein, je crois que ça t'est donné. La méthode l'arrache. Deux concepts aussi importants l'un que l'autre. D'une part, le Rapid Application Conception correspond conceptuellement à une accélération importante dans la phase de conception de l'application par rapport aux méthodes classiques. Pour bien débuter avec la RASH, il faut soigner la phase d'étude de la rédaction du cahier des charges. Il faut aussi produire un travail de synthèse important en résumant le cahier des charges en un post-it de 8 mots maximum. Puis la mission est d'extrapoler ce post-it à un sujet de développement vaseux, mais pas trop. A partir de là, en règle générale, la multiplication du nombre de mots sur le post-it par un chiffre tiré au sort entre 20 et 200 donne la durée du projet en jour homme. Prendra soin de ne rien planifier dans cette phase, évidemment. Évidemment. D'autre part, l'extreme programming heuristique est un concept assez prometteur. En effet, l'heuristique est une technique consistant à apprendre petit à petit en tenant compte de ce que l'on fait précédemment pour tendre vers la solution d'un problème. Opposé à l'algorithmique, l'heuristique ne garantit pas du tout qu'on arrive à une solution quelconque en un temps fini. Ceci sous-entend d'une part une démarche pédagogique globale d'apprentissage et de capitalisation des acquis. Mais aussi les échéances annoncées le sont dans une pure optique de déconnade symbolique. Et c'est précisément le plus produit à la méthode RASH. Ah, j'adore. Idée, abandon du produit. Ah, je connaissais, mais là je redécouvre. Let's go, quoi. Idée, discussion au café, abandon du projet. La méthode l'arrache, messieurs dames. C'était un collègue de travail qui m'avait appris ça la première fois. On discutait de méthodologie de travail, et puis il a fait comme du web, il a fait non, moi ma méthode de travail, c'est la méthode l'arrache. Et surtout, j'étais sérieux, j'ai commencé la méthode l'arrache. Et après, je connais pas la méthode l'arrache. Non. Elle m'envoie le lien, je fais putain. Il y a tellement à reprendre ce qui a été fait avant moi avec cette méthode. Quoi, la méthode de l'arrache ? Ça cesse fourni qu'en partie. Ok. Ce que je dis ne pas aimer, c'est que j'ai mis moi. Par contre, je trouve ça moche, les angles pointus et pas de relief avec les ombres. Ah, goût et couleur après, hein. Goût et couleur. Je peux très bien mettre un tout petit arrondi. Après, j'avoue, tu restais sobre. C'est juste que, question de goût, j'ai juste l'impression qu'aujourd'hui, on revient à la sobriété sur le design web. C'est vrai. La RASH. Quel enfer. Bon alors, Septenia, revenons sur notre... Revenons à nos moutons, là. On va déjà faire le commit de ça. Voilà, comme ça, c'est sauvegardé. Donc, le use memo. Pour te faire la démo, on va mettre un vieux console.debug. Filter avec le product qui du coup va s'afficher dans la console dès lors que la liste de produits va être filtrée. Ok. Pense pas tout ça, moi je te laisse en l'heure qu'on se lit, j'ai un live à préparer, ça marche Bluebill. Merci encore pour ta présence ce matin et bon live à toi cet après-midi. N'hésitez pas à aller faire un tour chez Bluebill qui fait du web, du PHP, du Symfony, si ça vous intéresse. Très bonne adresse, n'hésitez pas.
N'empêche, le mec s'est fait chier, et puis bien. Le site existe depuis un bout de temps, le gars paye le serveur tous les ans, j'avoue. Voilà, c'est ce qui manque, là c'est le terme ce que j'en face de moi, c'est ce qui manque. Là, il y aura évidemment des petits soucis à droite à gauche, c'est normal. On n'est pas là pour les corriger tout de suite avant la bêta, ça sera le taf de la bêta, mais c'est trop cool. Et c'était pour les 3 streams du coup. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. On va dire 53 quand même. Hein. Merci pour le follow, mec. Merci pour le soutien. Je suis reprenant quand même rapidement la chaîne. Je sais pas si tu m'as déjà vu passer. Mais si on stream du lundi au vendredi, on fait le dev le matin. Web Docker CIA. J'ai quelques projets sur lesquels je bosse. Tu peux taper !git ou !projet si t'es intéressé. On aura l'occasion de discuter plus tard. Et on fait aussi donc les Discord Drodi. Donc en général, c'est le vendredi. Mais là, j'ai pas mal de sujets. Donc je les dépile. Le concept est très simple, on va sur mon Discord, on va dans Dev Help, dans vos projets et dans Codrodi. On dépile tout ça, on tente de répondre aux questions, et on envoie les VOD par la suite. Comme ça, si jamais la personne n'est pas présente, elle peut en profiter plus tard. Voilà, et l'après-midi, on fait du jeu vidéo, on fait du RimWorld et du Project Zomboid principalement. Et là, on se met un petit peu de Dead Space et de Dying Light. Est-ce le droit de critiquer un peu le design? Bah c'est surtout que c'est pas le sujet là pour le coup le design, là on est vraiment sur l'apprentissage de React. Donc, Septenia, je rafraîchis la page. Tac, donc là on voit ici qu'on a plein de filters qui ont été activés, parce qu'évidemment il a appliqué les filtres une première fois. Parce que là tout va bien. Je décoche une case, pareil. Ça a fait plein de filters, aucun problème. Ok. Ça c'est normal. Et ici on va essayer le use memo. Le use memo il sert à quoi? UseMemo, ça permet de mettre en mémoire le résultat de la mécanique, de la logique que tu as écrite ici. Avec des dépendances de variables qui vont avoir une influence sur le résultat de ce calcul. En l'occurrence, ProdList et surtout SelectedCategories. Pourquoi on le met en dépendance? Parce que ben, SelectedCategories, c'est des catégories que tu sélectionnes. Et donc tu souhaites que la liste des produits soit de nouveau filtrée quand tu changes le SelectedCategories. Ok? Si j'enlève le UseMemo, donc ça reviendrait à faire ça. Pourquoi il est complètement en PLS le VS Code? Et hola Benjamin, comment tu vas? Les liens que j'aime balancer, si on parle un peu design, je trouve très pratique. Appius.co, ça je connais pas ça. Pour t'aider à choisir tes couleurs? C'est sympa en tout cas. Je vais de côté, je vais faire un tour après. Il est essayé le design. Bah, encore une fois, hein, goût et couleur. Moi personnellement, je suis pas fan non plus. Je sais pas si tu veux que je te dise tout, Septenia. C'est pas vraiment dans l'air du temps, on va dire quoi. Donc ça peut être intéressant quand tu débutes là-dedans de regarder un petit peu ce qui se fait en termes de framework, de design par exemple, ou les sites que balance New Web, pour te renseigner un petit peu sur ce qui est mis en valeur quoi. Après voilà, hein, si ça se trouve dans 20 ans, ton design reviendra à la mode. Ça rien du tout. T'as trop d'accolades parenthèses qui viennent du UseMemo fraîchement supprimé, je pense. Ouais, c'est possible. Attends, on va revenir en arrière. Techniquement, c'est le résultat du ProdList filter qu'on doit reprendre. Ça. Voilà, là, on est d'accord. Donc là, tu vois, Septania, j'ai viré le UseMemo. Ok. Faut que je remette, par contre, mon console log. Console debug, plutôt. Filter product. Ok. On recommence l'essai. Je décoche.
ça appelle les filters, je recoche, ça appelle les filters. Rien n'a changé, comme tu peux le constater. Le calcul est quand même réexécuté par React à chaque fois que tu modifies les choses. Là où il y a une différence, c'est pour ça que je te disais, c'est compliqué de te le montrer avec l'implémentation actuelle. Pourquoi ? Parce que tu as qu'un seul state, les selected categories, qui en effet ont une influence sur ces produits. Par contre, là, je vais te faire une autre démo. Je te fais un toto. Set toto. UState. Il sera un simple booléen. Ok ? Il vaut false par défaut. Derrière, je vais faire un bouton. Je le code en dégueulasse, hein, c'est vraiment pour la démo. Je lui mets Toto et puis je lui mets la valeur de Toto. True false, hein, donc 0,1. Et si je mets un petit event, onClick, et que va faire le onClick ? Il va appeler cette Toto pour lui donner l'inverse de la valeur actuelle de Toto. Là, je viens de t'inventer un toggle. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Ok, Septenia ? On est d'accord que cette variable Toto n'a strictement aucune influence sur la liste de tes produits, sur le filtre. Ok, que je mette à true ou à false, ça change rien. Toi, ce qui t'importe, c'est les selected categories. Le seul impact que ça a, c'est le bouton Toto. Est-ce qu'on est d'accord, Septenia ? Donc, théoriquement, le console debug, si on change la valeur de Toto, ne doit pas apparaître. C'est bon pour toi, Septenia ? On est d'accord. Retournons sur le site. TF5, on vide le log, on reteste encore les catégories, on change, on a bien les filters qui apparaissent, ça c'est attendu. Je vide le log, et là on va cliquer sur ce merveilleux bouton, qui prend toute la longueur de la page, c'est merveilleux, voilà, qui s'appelle Toto. On va cliquer dessus, ça va changer la valeur. Et là regarde ce qui vient de se passer, Septenia. On a le log de filters qui vient de réapparaître, ce qui nous prouve que le filtre des catégories a été de nouveau exécuté. Sauf que là, il a fait une exécution qui sert à rien du tout. Parce que les variables qui dépendent de ce calcul, elles n'ont pas bougé. La seule variable qui a bougé, c'est Toto. Et pourtant, il refait le calcul. Et c'est là que tu peux avoir du coup des soucis de performance. Alors là, évidemment, on parle d'un simple filtre d'une dizaine de produits, donc... On ne sent pas la différence, hein. Si je t'avais pas mis le log, tu ne verrais pas la diff du tout. Mais tu peux avoir des mécaniques beaucoup plus complexes et surtout beaucoup plus coûteuses en ressources. Fais gaffe, avec les 7 autos, tu vas les oublier, il va rester des autos partout. T'inquiète pas, NewWeb, t'inquiète pas. Je fais un git diff à chaque fois avant de faire mes commits, ça va bien se passer. Donc voilà, du coup, tu as les filters qui sont appelés alors qu'ils ne devraient pas. Et c'est là que le use memo rentre en jeu. Parce que si tu fais un use memo pour avoir le résultat de ton filter de product, le useMemo, ici, il va prendre la fonction qui va renvoyer le résultat de ton calcul, donc en gros, ce que tu as ici, hein, ton productList.filter, il va prendre en paramètre les dépendances. Donc, quelles variables doivent avoir un impact sur ton calcul ? En l'occurrence, ici, selected categories. Alors nous, dans notre exemple, on a mis aussi ProdList, parce que ProdList, on s'était dit, on considère que ça vient d'un résultat de requête d'API dans une situation de vraie production. En l'occurrence, là, c'est pas le cas. On parle ici d'une variable statique qu'on a importée, donc pas d'impact. Mais surtout le selected categories. Donc useMemo, on prend le ProdListFilter, donc la mécanique de calcul, hop, on la coupe, et ici, on fait return, et on remet la même mécanique. On enlève la variable évidemment qui est dupliquée. D'ailleurs, pour revenir sur ton truc, NewWeb, à la fin de cette démo, je vais faire un bon vieux git reset-hard parce que là, j'ai rien à rajouter. La mécanique que je montre est déjà existante. Donc là, on est sur la même mécanique, Septenia, sauf qu'on a bien mis un useMemo et on lui a dit spécifiquement c'est selected categories qui en est dépendant. Enfin, la mécanique plutôt est dépendante de selected categories. On a toujours notre console debug filters. Et là, si on revient sur notre page, on modifie les catégories, j'ai bien filters qui apparaît, je modifie Toto. Là, j'appuie sur le bouton depuis tout à l'heure, il ne se passe strictement rien. La mécanique n'est pas appelée, parce qu'elle a déjà été mise en mémoire et elle n'a pas besoin d'être calculée. Voilà l'intérêt du useMemo, Septenia.
Donc là, c'est dans le cadre où tu as un composant un petit peu plus complexe, où tu peux avoir plusieurs states différents qui peuvent avoir des impacts sur des choses différentes. Malus Memo te permet d'éviter des recalculs inutiles. À quoi que Toto n'est pas dedans. J'ai rien compris à ta question, c'est bien. Attends que tu précises. Takim, santé. Et petit étirement. 1 plus 1 égale 11, évidemment. Je suis pas sûr comment du coup ta question s'obtient par à quoi que Toto n'est pas dedans. Si je mets un fil sur des prix et les notes, ça doit recharger tout le temps. Oui, bien sûr. Alors là, les fils sur les prix, tu l'as pas encore fait, par exemple. Mais imaginons. Tu vas avant coup, je suppose, avoir un truc du style prices, set prices. Là, j'invente, hein. Je mets n'importe quoi. Galaxy State. Ok. Et là, tu te dis, ok, mais là, mes prices, j'en ai besoin pour mon calcul. Ok, donc cette variable-là, elle va être quelque part utilisée ici. Ok. Bah, c'est très simple. Dans ta liste de dépendances, en plus de Selected Categories, tu rajoutes Prices. Et là, ton UseMemo va être recalculé dès que Selected Categories a été modifié ou que Prices a été modifié. Mais pas Toto. Parce que Toto, lui, n'a rien à voir avec ton calcul. Donc, il n'a pas besoin. Je te montre l'exemple concret. J'enlève mon Prices. Je refais la démo. Donc là, je tabasse le bouton qui met à jour Toto. Il ne se passe rien. Ok. Par contre, si j'ajoute Toto dans ma liste des dépendances, ça casse le site. Ça, c'est intéressant. C'est bon. Là, c'est appelé. Pourquoi ? Parce qu'on a dit à UseMemo, j'ai besoin de Toto. Enfin, ma méthode de calcul a besoin de Toto. Donc du coup, UseMemo voit que Toto a bougé, donc il va refaire le calcul. Même si concrètement, là, Toto n'est pas utilisé, il va le faire quand même. Parce que tu lui as mis en dépendance. Alors pareil, hein, dans ESLint, t'as des outils, t'as des règles qui te permettent de détecter ce genre de choses. D'ailleurs, je pense que tu l'as déjà avec ta config ESLint. Qui est ici. Ouais, je pense que le React Hooks Recommended, là, il va le détecter ça. Lui, il va le voir, il va dire, ben meuf, t'es mignonne, mais là, t'as mis Toto en dépendance, alors qu'en réalité, tu t'en sers pas. Donc, il n'y a aucun intérêt à le mettre. Voilà, donc ça va permettre de t'aider là-dessus. Et c'est ça l'intérêt du UseMemo. C'est uniquement pour éviter des calculs inutiles. Est-ce que c'est plus clair pour toi, Septenia? Je veux dire, recharger les catégories si tu changes les prix. Comment ça, recharger les catégories? Je comprends pas, Septenium. Ah oui, j'ai oublié de virer le bouton. De toute façon. Hop, voilà. Prenez la tête, en dev, il n'y a qu'une façon de faire du design, tu charges gratuit ou tu vas chercher l'inspiration sur la concurrence, n'est-ce pas? Ah, je veux pas te mentir, Shamaken. Hein. Si un client vient me voir et me dit je veux faire une interface web, je fais ok, est-ce que vous avez une charte graphique de l'interface web? Ils vont me dire non, j'en ai aucune, juste un truc propre. Moi, je réponds ok. Et j'installe ce genre de choses. Voilà. T'as aucune personnalité. Mais t'as une interface qui marche. Et je me casse pas le cul avec le design. Je prends les composants matériels, j'éclate dedans. Merci, au revoir. C'est bien, je rejoins Souli. Quand tu mets catégorie et prix dans la même phrase, pour moi, t'es un peu perdu, c'est juste complètement dépendante. Ouais, je suis plutôt d'accord. Hein. Parce que tes catégories, tu les charges pour définir ta liste de filtres que tu as là, ça c'est très bien fait.
tu as des filtres avec les prix minimum et maximum, et là je suppose qu'ils n'ont pas d'influence parce que je ne le retrouve pas dans le code. Mais ça va être deux états différents. L'état de ta liste des catégories et l'état de ton range de prix que tu auras défini. Et ces deux états-là, ces deux variables, vont avoir une influence sur ton filtre. Pas l'inverse. Ça me fait un peu penser à l'injection de dépendance info. De toute façon, les principes sont les mêmes, juste le code qui change. L'injection de dépendance, c'est génial. J'avais mis un peu de temps à capter, mais après, tu kiffes. Par rapport à le use memo, ouais, on pourrait peut-être comparer à ça. Faut voir très large, mais oui. Ce que j'avais compris, mais je voulais pas recharger les catégories en changeant le prix. Donc, il faudrait que je fasse plusieurs filtres qui se croisent si je veux que ça recharge que les prix, par exemple. Et qu'est-ce que tu veux dire par ça recharge des prix ? Il n'y a qu'une seule chose que tu recherches, toi. C'est la liste des produits. C'est ça ta finalité sur cette page. Ça, c'est les paramètres qui vont influencer sur la liste de tes produits. Et ça, c'est ton résultat. Tu n'as qu'un seul calcul. Ah, attention en termes, en effet, ouais. Si j'ai sélectionné tous les laits que je veux filtrer selon le prix, ça va refiltrer les laits quand je vais changer le prix. Ça va refaire le calcul de filtre, oui, tout à fait. Mais en même temps, t'as pas le choix parce que là, ici, tu fais un calcul à la main, hein, où tu prends ta liste des produits, tu fais un filter et là, tu vas faire ta mécanique. Par là, si tu ajoutes des filtres des prix, là où tu vas modifier ton code, typiquement, ça va être ici. C'est-à-dire qu'en plus de filtrer, de vérifier la catégorie, tu vas vérifier que ça rentre bien dans le range des prix. Prenons le cas d'une production, une vraie production. Tu n'auras pas une liste de produits qui sera définie en dur dans ton code. Hein, on est bien d'accord. Cette liste de produits, tu iras la chercher sur une API, en externe. Tu vas faire une requête d'API. Et c'est comme ça que ça fonctionne, une requête d'API. Tu vas appeler une requête d'API slash product. Tu lui mets aucun paramètre de base. Il te renvoie toute la liste des produits en .json. Et ensuite, tu vas rajouter ce qu'on appelle des filtres. Donc, je vais te montrer concrètement. Hein. Est-ce qu'on avait un truc de fake API, je me souviens plus son nom. Ah, je l'ai là. Tac. Est-ce qu'on peut l'avoir vite fait, ça ? En post, est-ce qu'il y a des filtres possibles ? Je fais le test et je t'explique. Ah, mais casse-toi. Ah, user ID peut-être. Ouais, voilà. Donc, une requête d'API, ça va ressembler à ça. Ici, on appelle slash post. Ok. Et ça va te renvoyer bah, à peu près ce que tu as défini en dur pour le coup. Hein. Donc, c'est-à-dire un tableau d'objets, c'est du JSON, avec chacun des posts. Chacun des posts ont des properties. Là, par exemple, ici, user ID qui vaut 1, donc le premier utilisateur. Et si tu descends un petit peu, tu auras user ID 2, etc., etc. Imaginons que tu veux filtrer ces posts pour récupérer tous les posts de l'utilisateur numéro 2. Et bah tu vas faire la même requête, sauf que tu vas mettre user ID égale 2. Et là, tu te retrouves avec la même liste, sauf que tes user ID, sauf que tes posts, pardon, ne seront que les posts qui contiennent... pardon, je refais. Ne seront que les posts dont l'auteur est le user ID numéro 2. Et c'est ce que tu vas faire à la place de ton filtre ici. Shopping list. Voilà. Ici, en gros, tu auras une requête d'API. D'ailleurs, ça sera implémenté différemment. Là, je pense que tu auras besoin, justement, je pense, du use effect pour pouvoir faire ta requête Ajax derrière. Et c'est là que tu utilises aussi des librairies comme USSWR, les choses comme ça, dont j'en ai déjà parlé dans des précédents streams. Et ça, on aura l'occasion d'y venir quand tu feras des vrais appels d'API. D'ailleurs, ça peut être un bon exemple. Je l'envoie, Septenia. Mets ça de côté. Alors, soit tu le fais sur ce projet-là ou tu l'en fais sur un autre. Tac. Ça, ce JSON placeholder, c'est une fausse API en fait. Il te présente quelques petites ressources à la con. Hein, tu vois, la liste des posts pour un blog, la liste des commentaires, des albums, des photos, etc. Et tu peux jouer avec, tu peux même créer des ressources, tu peux filtrer et compagnie. Dans les jalons de ton apprentissage, essaye de faire un site en React et qui, au lieu de jouer avec des données en dur comme tu fais ici, prod list,
essaiera plutôt de communiquer avec une API pour récupérer la donnée. Parce que tu te rendras compte que la mécanique n'est pas tout à fait la même. C'est bien, tu expliques bien un vrai pédagogue. Merci beaucoup, NewWeb, ça fait plaisir. On essaye en tout cas. Et j'aime bien essayer de faire en sorte que la personne comprend ça. Ça, par contre, c'est un truc que je kiffe. J'ai pas compris, mais ça change pas. Mais Medakin, toi, tu faisais une troll, c'est ça la différence. Ça va réexécuter le filtre catégorie plus prix, mais rien ne va être chargé. Oui, c'est ça. Donc, pour revenir sur le filtre Septenia, quand tu vas implémenter ton filtre de prix que tu as déjà mis dans ta vue, tu vas avoir juste simplement un nouvel état. Un truc du style Sale Price Range, par exemple. Ou plutôt Price Range. Set price range, tu vas avoir un use state dont son type, en l'occurrence, ça sera un tuple. Un tableau avec deux éléments, le number qui représente, c'est toi le téléphone, qui représente le prix minimum et le prix maximum. Et avec un truc par défaut, hein, 0, 1000 par exemple, admettons. Voilà, c'est juste de l'exemple. Et bien ici, ton price range, tu vas l'ajouter dans ton use memo en tant que dépendance. Et ici, dans ta condition, là, c'est pour trier la catégorie. Donc là, on va faire ça dans une variable, par exemple, pour être plus explicite. AsCategory égale le résultat de ça. Voilà, donc ça, c'est un booléen. Tu peux vérifier, hein, il va te le dire. Boolean, pas de souci. Et const inPriceRange, par exemple. Et là, tu auras une condition du style product.price supérieur ou égal à price range de 0 et product price inférieur ou égal à price range de 1, supérieur au prix minimum et inférieur au prix maximum. Alors bien sûr, le price là n'existe pas, alors je sais pas si tu l'as donné à cet article, voilà. Ok, donc là tu as tes deux booléens. Est-ce qu'il a une catégorie parmi les catégories sélectionnées, et est-ce qu'il est bien dans le price range? Et là, tu as ta condition, return as category et in price range. Voilà, tu viens d'implémenter le filtre par prix et par catégorie. Tu peux créer une DB gratuite sur Supabase. Ça me parle pas, ça, Supabase. Ah, c'est une alternative à Firebase, ah, c'est intéressant ça. Ah bon, après voilà, pour de la pure démo, ça fait aussi déjà le taf, hein, pour le coup. Parce que je suis une troll que je prends rien avec ton faux chinois là. Non, c'est parce que Dakim de base, tu n'es absolument pas dev, le domaine t'intéresse pas plus que ça, et tu fais que passer ton temps à débarquer sur mon stream le matin pour me dire je comprends rien, tu me parles chinois. Et quand j'essaie de t'expliquer, tu prends même pas le temps d'écouter, tu me réponds flemme. Donc du coup, je prends plus le temps d'expliquer. Voilà, Dakim, si tu veux une réponse complète. Ça me manque de pas pouvoir communiquer avec une base dans ce truc. J'en aurais besoin pour le site du travail, mais je n'ose plus m'y mettre car je me dis que ça va être moche. Coach aussi dit que mes choix étaient moches en termes de design. Oui, bon, ça, le design, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, ouais, bah mets ça de côté, là, la petite API de test là, que je t'ai envoyée, Septenia. C'est de la fausse donnée. Alors évidemment, bah, tu ne retrouveras pas les produits. Hein, c'est plutôt des posts, des commentaires, etc. Mais ça reste une API. J'y passe à tout le temps, ouais, 95% du temps. Et bonjour, Grodavoy, comment vas-tu? Yep, c'est une question de débat. Tu n'as plus besoin de recharger la page web pour mettre à jour les infos de la dite page. Oui, bah c'est l'intérêt des frameworks de type React, hein, bien sûr. Aussi, un principe auquel j'essaye, et je dis bien j'essaye de m'y tenir quand je dev, c'est plus un concept, le user doit avoir accès à tout en 3 clics. Ouais, j'ai une philosophie un peu différente, mais qui se rapproche, hein. En gros, c'est fait l'interface la plus stupide possible, quoi. La plus simple. C'est de l'UX, ça, pour le coup. Là, c'est encore un autre métier, l'UX. La user experience. Après, je me demande si la question n'est pas plus générale, genre si tu me montres dès maintenant comment optimiser les filtrages des catégories, pourquoi est-ce qu'on ne chercherait pas à faire en sorte d'optimiser plus tard
que le filtrage des prix ne fasse pas le check sur les catégories et ça peut partir sur des pistes de early optimization, complexification, etc. Je suis pas sûr de te suivre, Idéo. Où doit s'arrêter l'optimisation? Quand la faire? Est-ce que je dois attendre de voir un souci ou de faire des débuts, etc. Après, il y a un rectangle jaune qui devrait pour le lore en train de tout mélanger là. Les filtres React, les API, fausses API, le design, l'UX. Une chose à la fois. L'avantage avec Superbase, c'est sûr de ne pas retrouver avec une facture énorme à cause d'une mauvaise gestion AWS. Ouais. Et tu sais, BraveTor, qu'AWS te propose un service de gestion de la facturation. Payant. Des génies. C'est des génies. Keep it simple and stupid. Ouais, tout à fait. Je crois que c'est ce que je voulais dire, oui. D'accord. Idéo le seul à me comprendre dans le chat. De ah, toute façon, tout ce que tu as à retenir, c'est que tu n'as qu'un seul calcul de filtre. Et ce calcul de produits filtrés, ça, c'est ce qui sera plus tard quand tu auras une vraie connexion avec une API derrière. Ça sera une simple requête d'API. Et ça ne sera pas d'ailleurs ton application front-end qui fera ce filtre. Ça sera ton back-end, celui qui possède la donnée. Et ton front-end, donc ton application React, va juste faire une requête en disant « Back-end, je veux la liste des produits, je veux que les produits possèdent au moins telle catégorie, donc ça ce sont les paramètres de ta requête d'API, et aura aussi un prix entre tel prix et tel prix. » Le back-end, lui, il fait son calcul, en gros, bah, il va faire ça, hein. Et dans son langage de back-end, en Node.js, en PHP, en Go, en ce que tu veux, et il va te renvoyer une réponse toute faite. Et cette réponse-là, tu vas t'en servir. Donc dans tous les cas, ça ne change rien, tu auras bien un use memo, ou un use effect, ça dépendra du contexte, avec des dépendances qui seront les variables représentant tes filtres et qui reproduira un calcul ou alors une requête d'API. C'est tout. Tu fais avoir une fois pas de... Ouais, faire très attention à ce genre de choses. Hein. Pas Amazon AWS ou même tout équivalent, hein, Google Cloud, Azure, ce genre de choses. Faut faire attention. Hein. Moi, j'avais utilisé ça pour faire du Docker Machine avec les runners de GitLab. T'as intérêt aussi à bien paramétrer tes runners de GitLab pour pas que GitLab te instancie 500 machines d'un seul coup pour faire tourner tous tes jobs d'un coup. Parce que bonjour la facture derrière, quoi. On prend une facture énorme, mais je crois que c'est tout ce que j'ai compris dans la phrase. Parce qu'AWS, en fait, c'est un système de cloud qui te permet d'instancier à la volée plein de machines qui, à l'unité, coûtent pas cher. Et qui te permet surtout d'avoir des infrastructures un peu plus flexibles. Genre tu prends une grosse charge de données, bah, oups, tu décuples le nombre de serveurs, puis ensuite tu réduis, etc. Sauf que si tu gères mal la chose, et que tu instancies beaucoup trop de ressources d'un coup, beaucoup trop de machines d'un coup, et tu ne penses pas forcément à les réduire quand il faut les réduire, par exemple, bah, tu peux te retrouver rapidement avec des factures à plusieurs milliers d'euros, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc oui, il faut faire très attention à ça. Il y a déjà eu des CTO qui ont eu des problèmes. Oui, c'est l'horreur, et encore niveau facturation, c'est clair. Une fois que tu sors la note, le pire c'est Google Cloud. Pour trouver les factures, c'est l'horreur. Oui, après les interfaces. C'est pour ça qu'il faut utiliser Terraform. Tu fais un test sur AWS, tu vas récolter une facture de 100 euros facile. Ah, faut bien surveiller quoi. Oui, c'est cher, mais tu payes justement le fait d'avoir 100 machines d'un coup sur 10 heures. Pareil, hein, ça dépend le besoin. Si quelqu'un vient me dire « j'ai un site perso, je vais avoir 1000 visites par mois dessus », 1000 visites par mois, c'est rien. Informatiquement parlant, c'est que dalle. J'ai envie de mettre ça sur un Amazon AWS avec des grappes de cluster Kubernetes. Bah non, mec. Ça te coûtera beaucoup plus cher que si t'achetais un bon vieux serveur Docker 4G qui tiendra largement la charge sur le long terme. Ça dépend le besoin. Évidemment, si le client c'est Auchan, Auchan.fr, e-commerce, et que eux ils ont des trafics de malades tous les 5 secondes, avec des pics pendant les sols, ce genre de conneries, là c'est pas le même délire, en effet. Mais en effet, du cloud flexible à la volée à la minute, ça coûte de base plus cher qu'un serveur dédié classique. Et ça dépend, les runners GitLab, pour mon cas. Là, j'avais un intérêt du Google Cloud. Pourquoi? Parce que mes Docker machines, en effet, vont m'instancer quelques machines, ce que j'appelais des droplets, je le faisais avec Digital Ocean, pendant qu'on travaillait, pendant qu'on faisait les push pour faire exécuter nos jobs de runner, donc en semaine, la journée.
le soir et le week-end, il y avait zéro machine qui tournait parce que le runner les éteignait toutes. Et ça me permettait, in fine, d'avoir une économie parce qu'en réalité, bah, quand on ne travaillait pas, bah, il n'y avait aucune machine qui tournait. À l'inverse, là, si j'avais des machines pour pouvoir tenir la charge des runners qui tournaient tout le temps, ça me reviendrait plus cher. C'est vraiment une question de besoin pour moi. Mais pour un seul serveur H24, ça ne vaut vraiment pas le coup. Oui, voilà, c'est ça. En gros, WS c'est une Ferrari, mais si tu ne mets pas le limiteur de vitesse, tu te retrouves une banane autour d'un... Oh, cette analogie, elle est géniale, Warptor. Pas de question, mais... Que j'ai, mais une question que quelqu'un pourrait poser. Pourquoi dans cet exemple, je n'ai qu'un filtre? Est-ce que je ne peux pas optimiser pour faire en sorte que modifier le filtre des prix ne recheck pas les catégories, mais que les prix, et vice-versa? Si je peux optimiser avec un peu de use memo, est-ce qu'il n'y a pas une technique pour optimiser plus? Est-ce que la question se pose, en fait, Ideo? Est-ce que la question se pose? Parce que tes catégories, tes prix vont influencer sur une donnée, la liste des produits. Tu peux pas séparer les calculs. Alors, tu pourrais imaginer un truc du style, je fais un use memo pour avoir des produits filtrés en fonction des catégories, donc une variable, une liste de produits filtrés en fonction du prix, deuxième variable, et après t'en fais quoi ces deux variables, ces deux listes, pour l'affichage là ici. Ton affichage demande qu'une seule variable, donc là je dis, bah du coup je fais une variable qui rassemble les deux, et qui fait un unique. Alors du coup tu fais un calcul d'un côté, un calcul de l'autre, qui en effet sont optimisés l'un à côté de l'autre, mais qui vont être recalculés ensuite ensemble pour fusionner le tableau. Et c'est là que je pense qu'on rentre, Ideo, justement, dans la fameuse complexification par l'optimisation, et en fait, on est finalement contre-productif. C'était ça ta question, Sapinière? Bon, bah du coup, tu as la réponse. Est-ce que tu vois l'idée? Le souci, c'est le résultat, en fait. C'est ça que tu dois t'intéresser. Qu'est-ce que tu affiches, là? Tu affiches bien une liste de produits filtrés. Et là, en l'occurrence, non, tu peux pas séparer les deux. Enfin, si tu peux, mais c'est contre-productif. Parce qu'à la fin, il te faudra quand même une seule variable. Et tu seras obligé de fusionner du coup tes deux variables, tes deux listes pour en faire qu'une seule. Donc tu refais quand même du calcul derrière. Donc in fine, ça revient en même. Je reprends ton exemple. Au champ machin, un gros pic de trafic, tu peux toujours faire du load balancing avec quelques serveurs DJ. L'avantage Amazon, c'est que tu peux monter des serveurs à la volée. Dans ce cas, AWS, c'est super pour le serverless. Ouais, mais en fait, je pars du concept du web. Ou même si tu peux avoir plusieurs serveurs DJ, ça reste des serveurs DJ. Donc là, on parle vraiment de serveurs physiques. On est d'accord du web. Donc tu as quand même une limite fixe pour le coup. L'intérêt d'avoir de passer par des services du style AWS, parce qu'on cite AWS, mais il n'y a pas que, hein, évidemment, c'est que tu as une flexibilité quasiment infinie. À condition, bien sûr, d'avoir le budget pour, à ce niveau-là. C'est surtout dans ce sens-là que je veux dire. Et à l'inverse, qu'est-ce que tu fais de tes serveurs DJ quand tu n'as pas ce trafic, justement? Quand tu as un trafic quasiment faible, qu'est-ce que tu fais de tes serveurs DJ? Ils tournent toujours, ils consomment toujours. D'ailleurs, ça soulève aussi la question d'écologie, hein, d'ailleurs. Hein, on est dans l'actualité du truc, hein, ça c'est clair net. Hein. Et bonjour Menu, Menu qui me reste sur ce magnifique débat sur l'hébergement web, cloud Amazon, Google Cloud et compagnie, alors que nous faisions du React, c'est merveilleux les streams. Trafic, la voiture, carburant. Yes. Ça va Menu. Merci beaucoup Menu pour ton raid, bienvenue à toi et à tous tes raiders. J'en profite pour présenter la chaîne pour ceux qui ne me connaissent pas. Et si on stream du lundi au vendredi, le matin, on fait du dev, web, docker, CI sont les principaux sujets. En ce moment, on fait ce qu'on appelle le Discord Rodi, donc on prend les sujets Discord de ma communauté, toutes les questions qui sont posées sur les différentes technologies, des petites problématiques, là actuellement on bosse sur du React, et on essaie de dépiler tout ça. Sinon, en général, j'ai mes projets aussi que j'avance, point d'exclamation projet avec un S si ça vous intéresse. Et l'après-midi, on fait du jeu vidéo, on fait du Rimworld, on fait du Project Zomboid. Et en ce moment, un petit peu de Dead Space et de Dying Light. Bienvenue à tous. Est-ce que ça s'est bien passé, ta session Menu? Qu'est-ce que tu as fait de beau? N'hésitez pas à aller voir Menu. Elle est faire un petit tour. Elle faisait du game development. Elle fait aussi de la 3D. Elle fait des beaux trucs. Et une ambiance, une superbe méga ambiance. Vous allez, mais chez moi, pas ailleurs. C'est 14h, 16h voilà. Le vendredi soir. Lâchez un follow, allez faire un tour. Allez, film de Boulard. Ah, moi, c'est tous les jours, hein, tout le temps. Je veux dire, à toute heure, même maintenant, là, actuellement. Non. Pardon, pardon. Allez, rendez-vous. Pardon, excuse-moi, mec. Mec, j'ai pas compris, mec.
Ah, oh, que je suis heureux que ça soit ce clip qui soit sorti, Menu. Je sais que tu me pardonneras pas, Menu, mais je suis quand même content. Parce que ce clip, c'est moi qui l'ai fait. T'es fait une boulard, bah, tout bon. À l'enfer. J'ai fait un chariot en ballon en 3D. On n'a rien fait d'autre. Bah, du coup, t'as fait quelque chose. T'as fait un chariot de ballon en 3D. Eh, hey, franchement, t'as fait quelque chose. C'est merveilleux, on avance. Lui, des bisous. Des gros bisous à tous et à toutes. Je file, je mange pour grignotement. Bien sûr, bien sûr. Et ma très bon grignotement, Menu. En tout cas, merci beaucoup pour ton raid. Bon appétit à toi. Déguisé en grenouille aussi un peu. Mais vite fait, en grenouille. Comment ça? Dis-moi qu'il y a un clip de ça, Menu. C'est comme expression film de Boulard. Est-ce que j'ai raté des messages, du coup? Et bonjour, Viewtex. Comment vas-tu? Où je te prends comme traducteur officiel. Bon bah j'écoute Sylvain 2, j'ai Miu Miu. Très bon choix New Web, tu le regretteras pas. Imhotep, Imhotep. Parfait. Vous avez pas vu, il va interdire Pornhub et X vidéo. Sans les gens qui connaissent ça, qui votent les lois sur ce sommet-là, oui. Parce que s'ils interdisent juste le site de Pornhub, bah il y en aura d'autres, il y en aura 10 autres qui vont sortir d'ailleurs. Quel enfer. Quel enfer. Bon. Septenia. Est-ce qu'on est bong sur les filtres? Est-ce que tu as encore des questions? N'hésite pas. Moi, c'est régulé, c'est grosse plateforme, sinon les gens vont se retourner, ça le permet beaucoup moins contrôler. Ouais, plutôt d'accord. On est bon, Septenia? Parfait, parfait, parfait. Bon, j'ai pas besoin de remettre par écrit ce que je t'ai expliqué, parce que c'est à peu près ce que j'ai déjà expliqué là. N'hésitez pas, encore une fois, les gens, si vous voulez rajouter votre grain de sel, à poster sur le Discord. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais qu'on regarde ensemble? Je pense que c'est plus clair. Ok. Bon, du coup, la démo avec le press, hein, je te le mets pas parce que là, c'est vraiment. J'ai mis un state complètement bidon pour tester ça. Je t'envoie déjà le merge request de ça. Dans mes fenêtres. Quand t'as un petit écran sur la boutique, le menu déroulé c'est atroce. Je crois que c'est le Z display modifié. Ah, attends, je vais fermer tout ça déjà. Quand je mets encore un mobile. Un peu petit ça. Ouch. C'est quoi ces checkbox? Ah oui, il passe en dessous du... Oui. Oui, tout à fait. Oui, bah ça, en effet. Hein. Inspect, inspect, inspect. C'est ce truc là, hein. C'est le Z-index. Et voilà.
Tu vois à quoi ça correspond le Z-index en CSS, Septenior ? C'était juste ça, et oui. Alors j'ai mis 9000 totalement au hasard, hein. J'ai fait exprès de mettre un très grand chiffre. Mais en gros, ça permet de te placer par rapport à l'axe Z, donc en gros les couches, grosso modo. Donc 9000 ou 42 ou ce que tu veux, il faut juste t'assurer que le Z-index en effet de ta navigation soit bien supérieur aux éléments qui sont derrière, pour éviter justement que ça se superpose dans l'autre sens. Priorité de calque, oui. On peut dire ça comme ça, tout à fait. Je crois que je vais même paniquer trop vite. Je crois que j'ai dû te le dire au moins 50 fois, c'est-à-dire mais il faut prendre le temps. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Et on cherche, petit à petit. Donc, tu vois, en général, les solutions sont plutôt simples. Ok, bon, ça, je l'ai envoyé, du coup, je te laisserai corriger le truc. Et je pense que sur le sujet, là, on est plutôt bon. Et quelle heure, là? Ah, il y a 2h moins 10. Ça va vite, ça. On regarde vite fait tes autres trucs, là. CliffJS, tu nous as dit quoi? Alors, déjà, je vais mettre d'abord la petite emote, là, pour pas oublier de mettre la VOD. C'est le Nord. Tout à fait, MacGyver. Tu m'as demandé, mon petit... C'est le Nord. Comment va le MacGyver? Bienvenue à toi. Pas aussi sur les autres. Tu es un sorcier, Harry. Ok. Ouais, de toute façon, celui-là, on t'a donné toutes les réponses après. Ouais, l'enfer, quoi. Vous voulez configurer. Configurer une librairie JS à partir d'une interface d'admin codée maison, comment te dire que bon courage. Hein. Bon courage. Bon, celui-là, du coup, je me permets de le refermer. N'hésite pas à répondre dessus s'il y a du nouveau. Comment va le Mac? Nickel et toi, ça va, je te remercie, tranquillement. Alors ça, c'était quoi déjà? Ah oui, la page toute pourrie. Je trouve pas grand-chose, mais c'est un sentiment du fait que je ne sais pas où chercher, je creuse toujours. Est-ce que tu as recherché dans l'entchart du code ce mot-clé? APIMPEUID. Je suis rentré de Barcelone hier soir. Barcelone vacances. À profiter du soleil, de la playa. T'as fait un grep terreur sur le mot, t'as rien trouvé. Parce que c'est à partir de là, faut tirer le fil. Hein. On l'avait repéré, c'est ce cookie qui pose problème. Bah ton seul espoir, c'est du reverse engineering à partir de ça, quoi. Retrouver les lignes de code qui référencent ces valeurs-là. Enfin, surtout le nom, domaine et le path. Et voir, quoi. Faudrait que je comprenne ce qui crée... Faudrait que tu retrouves les lignes de code qui créent le cookie. Déjà. Une fois que tu l'as retrouvé, oui, là, essaie de comprendre. Après, t'as la méthode commenter le code. Hein. Tu commentes tout le code jusqu'à ce que ça fonctionne plus et puis tu réactives au fur et à mesure jusqu'à ce que tu trouves l'endroit où ça crée le cookie. C'est un enfer, hein, je te préviens tout de suite. Hein. Ça va être long et douloureux. Mais là, t'as pas trop le choix. Ah, le clip de la grenouille. Combien? Beaucoup trop. Beaucoup trop d'alertes que tu balances en même temps, MacGyver. Alors, clip. Tac. Allons admirer ça. Alors attendez. Toi, tu la fermes. Merci. Waouh. Elle est trop mimi en grenouille. À la tête. C'est vrai.
De loin, ça fait les oreilles de Shrek. Le son. Ah, il n'y a pas le son. Pardon. C'est réglé. RKMH. Skincare routine du matin. Tu fais comme ça. Ça marche de grouille de Shrek, ouais, totalement. Je vais chercher, tu n'as qu'à clore aussi. Ouais, bah je le mets en clos et puis pareil, hein, tu réponds dessus si tu... Essaye de retrouver le code, ça peut tenir. Il est tellement choc-bar. Après, on pourra discuter de ce que ça fait, mais... Oui, c'est le film de l'agent. Merci NoPixel pour le follow. Merci NoPixel pour le follow. Il est vraiment... Et on dirait un peu Shrek, je trouve, sur les côtés, du coup, avec les pattes. Du coup, je suis vraiment un mélange de Shrek et d'une grenouille. Tu fais agresser par une tortue en sortant de chez toi. Ça devait être long, du coup. Tu m'as laissé pour s'offrir, ok. Effectivement, Slay. Je suis tellement Slay. Voilà, c'était Menu la grenouille. Allez voir Menu, n'hésitez pas. Menu, c'est une des rares streameuses où j'ai des crampes à la bouche. Tellement elle me fait rire. Vu dans un quartier chaud. Ah mais une tortue quoi. Comment ça tu es fait grasser pour une tortue? Ah c'est celui-là, mais vraiment, hein, c'est... J'ai pas ça pour faire la pub, bah vraiment je... C'était le moment, laisse tomber quoi. Madame, des fois, elle doit se poser des questions, notamment je suis mort de rire derrière mon écran. Ok, alors du coup, page toute pourrie. Bon, bah, d'un coup, faut creuser. Faut creuser, y'a pas le choix. Donc, pour l'instant, je clos. Et ça, bah, je te renverrai la Vérodée. La Vérodée, t'appelles à l'accueil, s'il vous plaît. Je t'enverrai la Vérodée. Et puis, je clorerai le poste derrière. Et pareil, n'hésite pas à répondre. Je suis affilié pour de vrai, bon courage pour ton code, ça marche, merci Menu, bon appétit à toi et merci encore pour ton raid, des bisous, ciao. Elle entra sa petite pète dans sa carapace et m'a tapé sur ma chaussure. Oh la folle. T'as porté plainte au moins, j'espère. Messieurs, dames, il est 13h56. J'ai pas vraiment envie d'aller faire le tour de vos projets là pour le moment parce que je vais faire ça vraiment en 4-5 minutes. Ça va pas être sympa. Pour le coup, j'ai envie de prendre le temps de bien les regarder. Vous savez quoi? Demain, on continue. Demain, Discord Roddy, cette fois-ci, on attaquera vos projets, sauf s'il y a d'autres questions hein, qui apparaissent sur DevHelp. Mais là, mis à part la problématique de Septenia, il n'y en a plus. Donc, on fera le tour de vos projets un petit peu, voir un peu ce que vous avez posté. Il y a pas mal de petits trucs sympas, des trucs IRC, des jeux sur Discord, ou Discord de site web, je ne sais plus, qui échange d'avis tous les 5 secondes. On ira faire un petit tour de tout ça. Et puis voilà, ça intéressera peut-être certaines personnes qui iront aller faire un petit tour par la suite. D'ici là, n'hésitez pas hein, à poster évidemment sur le Discord, .exclamation Discord pour ceux qui n'ont pas encore l'adresse. Et puis vous pourrez briller sur ce stream. Oui, j'ai un écocentrisme surdimensionné. Voilà, mais nous on va s'arrêter là, je pense. Sinon, on n'aura pas le temps pour le Rimworld de cet après-midi. Ne bougez pas, évidemment. Je vais vous trouver quelqu'un pour la suite. Hop! J'ai qui qu'on va. Voyons voir ça. Tac. J'ai hésité, je me serais bien vu aller porter plainte au Comisco. Mais je pense que ça aurait été classé sans suite. Juste le voisin qui faisait son jardin, il avait laissé ouvert, la tortue s'était échappée. Hein. C'est quoi, c'est une grosse tortue, genre les tortues centenaires là, ou c'est petite? Ben Bluebill. Bah évidemment Bluebill. Bah ouais. Il y a Jadakim qui est là-bas, qui a apparemment la flemme même pour 3 secondes. Allez, je vous envoie chez Bluebill. Je vous envoie chez Bluebill pour ceux qui ne connaissent pas. Bluebill, c'est un streamer dev principalement. Il développe dans le domaine du web. Ses technologies préférées sont le PHP et le framework Symfony. Des fois, il fait un peu de JavaScript parce qu'il n'a pas le choix. Mais bon, il le fait bien quand même. Donc n'hésitez pas à faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir pour le soutien. Il faut aussi un petit peu de jeux vidéo. Le lundi après-midi, en ce moment, il fait du rétro gaming, du Sonic Adventures. Peut-être qu'un jour, il fera du Rimworld. Je sais pas qui a dit ça, mais j'ai une info qui traîne. Faudra lui demander. Ah, je sais, on va lui envoyer un message.
Hop. Voilà, vous copiez-collez ça. C'est pour quand Rimworld, s'il vous plaît. Voilà, comme ça, se mettre un petit peu de pression, là, gentiment, tout doucement. Moi, je vais le voir. Je vois, c'est parti sur Rimworld. Je vois comment il se débrouille. Voilà, et n'hésitez pas, évidemment, à rester un petit peu, poser vos questions sur son projet. Il a une commande, point d'exclamation projet. Et si vous ne connaissez pas cette personne et son contenu vous plaît, le petit follow, évidemment, le soutien supplémentaire. Quant à moi, je vous souhaite un bon appétit. Je vous retrouve cet après-midi sur du Rimworld. On reprend la colonie, la fabrication des kitbox à l'entrée de notre montagne. Et je vous fais des bisous. Voilà, on s'arrête là. Allez, ciao.